Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au rendez-vous de la fraternité comme nous aimons toujours à le dire. Et bonsoir également à chacun et à chacune. Et nous allons commencer l'émission du jour. Ici, c'est forcément l'argument qui tient au détriment de la force physique. Et donc nous essayons de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Je dis bonsoir à chacun et à chacune. Et donc quand nous débutons l'émission de ce soir avec un titre qui est écrit par le journal en ligne du Banco.net. Et le titre, c'est « La société s'effondre en Côte d'Ivoire ». Et j'ai lu l'article. La Côte d'Ivoire a vécu une folle journée du 19 mai 2021. Une journée infernale et difficile pour les ressortissants nigériens qui ont vécu un calvaire sans nom, du fait de certains jeunes, certainement sous l'effet de certaines substances. Tout serait parti de la diffusion d'un élément vidéo présentant des individus en train de torturer d'autres individus. Comme une traînée de poudre, la ville fut envahie par la rumeur que les Ivoiriens en transit au Niger pour les pays du Maghreb sont l'objet de maltraitance de la part des Nigériens. Cela a mis le feu aux poudres et ce fut la chasse dans certains quartiers d'Abidjan aux ressortissants nigériens. Cette attitude des jeunes Ivoiriens doit objectivement nous interpeller tous, autant que nous sommes. Quelle société sommes-nous en train de bâtir? Quelle est cette nouvelle propension qu'ont les jeunes Ivoiriens à se rendre justice, à agresser d'honnêtes personnes pour un oui ou pour un non? Sous nos yeux, les valeurs qui fondent notre société sont foulés aux pieds, aux vues et aux sous de tous. Et donc, inévitablement, notre société s'effondre. C'est une véritable inversion des valeurs à laquelle il nous est donné d'assister. Si l'on y prend garde, la situation dans le court terme sera intenable. Mais objectivement, à quoi peut-on s'attendre si des jeunes gens ont pris le pli d'assiéger tout un quartier armés d'armes blanches de tout genre, d'agresser, de voler et même de tuer d'honnêtes citoyens sans que le ciel ne leur tombe sur la tête. Au surplus, il est même interdit à la population de les appeler par le surnom qu'ils se sont eux-mêmes donné, les microbes. Ils ont désormais droit à un joli nom de caresse les enfants en conflit avec la loi. À quoi peut-on s'attendre dans une société où les arnaqueurs notoires, appelés brouteurs, peuvent être célébrés alors qu'il est de notoriété publique que le mode de vie ostentatoire qu'ils affichent est le fruit d'escroqueries et d'activités illicites et illégales. Les modèles et les référents de notre jeunesse sont fabriqués par les réseaux sociaux où un buzz fait d'un inconnu une célébrité du jour au lendemain. Ainsi, un individu fait-il filmer sortant de sa douche avec de la mousse de savon dans les oreilles? Le voilà propulsé au rang de héros, reçu en grande pompe dans les cabinets ministériels, écumant les plateaux de la télévision et de la radio nationale et porté au Panthéon de la République. À quoi peut-on également s'attendre quand la jeunesse ivoirienne est inspirée par des influenceurs et des soi-disant influenceuses aux connaissances incertaines et à la morale douteuse et véritable star des réseaux sociaux? Le comble, c'est qu'on retrouve certains d'entre eux sur les chaînes de la télévision nationale, animant ou du moins escamotant des débats où l'étalage de leur insuffisance le dispute à la vacuité des thèmes abordés. Lentement, mais sûrement, nous assistons à une déconstruction à tous les niveaux de la société ivoirienne. Les valeurs qui sont le fondement de la société vont à volo pour faire place à la célébration de la médiocrité. Les Ivoiriens sont devenus friands des clashs, des invectives et des injures sur les réseaux sociaux, qui demeurent l'essentiel de leur source d'information. Ils ne font plus confiance à la RTI, excédés qu'ils sont d'entendre les sous le haut patronage ou sous le haut parrainage
est sous la présidence de ou de E ou de X. Combien sont-ils ces jeunes Ivoiriens à prendre du recul et à faire des analyses des informations reçues via les réseaux sociaux, à l'effet de se forger une opinion personnelle? Combien savent-ils que des fausses informations ou des informations manipulées sont intentionnellement distillées par certaines personnes sur les réseaux sociaux avec des résultats attendus? Voilà autant de questions, autant d'interrogations qui nous taraudent l'esprit et qui nous laissent dubitatifs quant à l'avenir de la jeunesse ivoirienne si rien n'est entrepris pour redresser la barre. En tout état de cause, il est temps de sérieusement mener la réflexion pour donner une orientation nouvelle à la trajectoire empruntée par la jeunesse ivoirienne. Il faudra certainement penser à réintroduire le service civique pour la rééducation de beaucoup de jeunes et penser à la formation professionnelle courte pour nombre d'entre eux, au fin de leur donner un métier. C'est un truisme de le dire, l'oisivité est mère de tous les vices. Il faudra y penser pour demain. Demain est certes un autre jour, mais demain arrive toujours. Et s'il y a eu un matin en Eburni, il y aura assurément un soir et l'ivraie sera séparée de l'ivraie. Et l'article était écrit par M. Nazer Kadia, qui a fait une analyse politique sur la situation politique en Côte d'Ivoire. C'était d'ailleurs une très bonne analyse. Et nous disons merci. Et donc, nous passons au deuxième sujet qui concerne toujours la Côte d'Ivoire et qui a pour titre « Alassane Ouattara de retour condamne les violences survenues contre les Nigériens à Abidjan ». Et nous apprécions largement cette posture du chef de l'État qui, au lieu de se montrer un chef partisan, a montré qu'il est un chef panafricain et que pour lui, toutes les vies africaines et toutes les vies humaines se valent. Et c'est à sa juste valeur et hauteur que nous avons réellement apprécié ce titre. Et en passant, je salue Alexandre Aoussou et tout le grain de Yamoussoukro qui nous disent qu'ils nous regardent actuellement. Et je salue tous les grains de Yamoussoukro, tous les grains d'Abobo, tous les grains de Soubré et tous les grains de Man. Quand je dis ça, vous savez que vous êtes les du gars et vous savez combien de fois on compte sur vous. Restez mobilisés. Sachez que nous vous aimons, surtout l'éclaireur, vous aime intensément. Et je vous dis merci. Parti en France depuis samedi dernier, pour prendre part à un sommet, le président Alassane Ouattara est rentré ce vendredi soir à Abidjan. Le sommet sur le financement des économies africaines fut, contexte français oblige, marqué par ce qui les préoccupe, la maladie de la COVID-19 et sa vaccination. Si anecdotique en Côte d'Ivoire, comme dans l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, elle n'en demeure pas moins une source de justification de financement. Pour elle, le Fonds monétaire international estime qu'il faudrait 285 milliards de dollars de financement supplémentaire aux pays africains sur la période 2021-2025. Alassane Ouattara, le président de la République, a proposé d'accélérer, en partenariat avec les secteurs privés, la production en Afrique de vaccins et le transfert des droits de propriété intellectuelle ainsi que le savoir-faire. Sur la question, il a souhaité que la Côte d'Ivoire soit éligible au nombre des pays déjà retenus pour la fabrication du vaccin anti-COVID-19 sur le continent. À son retour, le président de la République a expliqué que la conférence a appelé à soutenir l'allocation de droits de tirage spéciaux, en abrégé DTS, au FMI d'un montant de 650 milliards de dollars, dont près de 33 milliards pour le continent africain, et à poursuivre les discussions en vue de mettre à la disposition du continent africain 100 milliards de dollars, prélevés en partie sur les allocations des pays développés qui jouissent d'une situation confortable de réserve de change. Les services de presse de la présidence rapportent que, de même, les participants se sont tous accordés pour poursuivre l'initiative de suspension de la dette jusqu'en fin 2021. Il s'agit notamment d'adopter une approche différenciée et des mécanismes de soutien pour permettre aux pays avec une dette soutenable et ayant accès aux marchés internationaux des capitaux, comme la Côte d'Ivoire, de mobiliser des ressources longues et à des taux d'intérêt plus faibles. Les pays africains ont, par ailleurs, plaidé pour un déficit
plus important pour le financement de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et le terrorisme. Rappelons qu'en prélude, au sommet sur le financement des économies africaines, le chef de l'État avait participé à un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui visait à harmoniser les positions des pays de la zone UEMOA. Par ailleurs, s'il est resté silencieux à l'image de la classe politique, le chef de l'État a brisé le silence sur les violences survenues à Abidjan à la suite de la diffusion d'une vidéo sur le réseau social Facebook en Côte d'Ivoire via son réseau social. Alors qu'on dénombre au moins un mort, le président de la République a fermement condamné les incidents qui ont marqué la ville d'Abidjan le mercredi 19 mai dernier, avec les attaques et autres agressions contre les Nigériens. Il a rappelé la vocation de la Côte d'Ivoire qui est une terre d'hospitalité sur laquelle de telles situations ne devraient pas se produire. Il a demandé des sanctions et a invité le grand commandement des forces de défense et de sécurité à accélérer les enquêtes et la justice à faire son travail afin que les responsabilités soient situées. Donc ça, c'était le deuxième sujet de la journée. Et donc, nous allons toujours continuer avec un autre sujet qui est maintenant un sujet de Tikenja qui est tiré de Afrique sur 7.ci et le titre de l'article c'est Tikenja déçu des Ivoiriens si vous n'êtes pas capable de réclamer. C'était ça le titre et je lis maintenant le sujet. Le chanteur reggae Tikenja Fakoly s'est prononcé sur les récentes attaques perpétrées contre les ressortissants nigériens dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas d'eau et d'électricité, c'est là que se trouve le vrai combat. Le mercredi dernier, la cyberactiviste propriétaire du compte Facebook Success, ou Success si vous voulez, entre en possession d'une vidéo dans laquelle des individus sont bastonnés. Aussitôt, la jeune femme diffuse une vidéo sur sa page Facebook où l'on entend s'adresser à plusieurs commerçants au marché d'Adjamé à Abidjan. En affirmant qu'il s'agit d'Ivoiriens résidant au Niger qui subissent des actes de violence et des actes de sévices corporels de la part de Nigériens. Cette information, qui en réalité n'est pas vraie, a suscité le courroux de certains Ivoiriens qui ont crié vengeance. Résultat, de nombreux biens appartenant à des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire ont été saccagés dans plusieurs localités. Des jeunes délinquants se sont aussi invités dans ces manifestations en agressant les populations. Ces scènes de violence continuent de susciter de nombreuses réactions et d'indignation. L'artiste Tikenja s'est également invité dans le débat. Il estime que les populations ivoiriennes se sont littéralement trompées de combat. Je trouve que c'est dommage. On ne sait même pas combien de services ces gens nous rendent. Il y a des Ivoiriens qui prennent crédit chez eux. Vous voyez une vidéo et vous vous attaquez à des gens. Le combat n'est pas là. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas d'eau et d'électricité. C'est là que se trouve le vrai combat. C'est ça qu'il faut dénoncer. La Côte d'Ivoire est trop divisée. Aucun combat n'est possible. Les gens disent que nous ne parlons pas. Un peuple ivoirien divisé qui idolâtre des leaders politiques et une jeunesse à partir de 9h du matin se trouve dans les maquis. Quel combat peut-on mener avec ce peuple? Au lieu de vous attaquer au vrai problème, c'est au pauvre Haoussa que vous allez vous attaquer, a-t-il dénoncé. Et Tikenja d'ajouter, si vous n'êtes pas capable, Bété, Djula, Guéré, etc., nord, sud, est, ouest et centre, de vous mettre ensemble pour réclamer au gouvernement de l'eau et de l'électricité, c'est pas la peine. L'électricité peut rester coupée en Côte d'Ivoire. Les ministres ont des groupes électrogènes, ils ont des panneaux solaires. Tant qu'il n'y a pas de réaction du peuple, ils ne vont pas réagir. Les dirigeants sont comme des tortues. Si vous ne mettez pas le feu, ça ne bouge pas, a-t-il prévenu. Et donc, ça, c'était l'article qui était écrit et que nous venons de lire. Et nous allons définitivement terminer avec un dernier article qui est la condamnation même de notre jeune sœur Fofana relativement aux incitations dont elle avait été l'auteur. Et donc, incitation aux troubles et appel au meurtre. Fofana Mawa
écope de 5 ans d'emprisonnement ferme avec 2 millions d'amende. Fofana Mawa, celle qui avait appelé à l'attaque contre la communauté Haoussa suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, a été jugée en comparution immédiate. Suspectée d'incitation au trouble et appel au meurtre, elle a été jugée en comparution immédiate hier vendredi 21 mai. Selon les informations en notre possession, elle a écopé de 5 ans de prison ferme, 2 millions d'amende. Fofana Mawa séjourne depuis hier à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Pour rappel, la vidéo de l'affaire enregistrée en 2019 au Nigeria mettait en évidence des éléments de la secte Boko Haram interpellés et molestés par les militaires de l'opération Safe Haven et la population au nord du Nigeria. Certains ont vu dans cette vidéo devenue virale sur les médias sociaux diffusée en Côte d'Ivoire sans aucun contrôle ou régulation. Des Ivoiriens maltraités au Niger. Cette fausse interprétation occasionnera des affrontements entre communautés ivoiriennes et étrangères dans des communes d'Abidjan. Lourd bilan, au moins un mort, des blessés et des commerces détruits entre Abobo et Yopougon. Et donc, chers éditeurs, vous nous excusez. Dans ces temps-ci, nous n'arrivons pas à écrire les Sorochos. Je sais que beaucoup aiment, mais cela est fondamentalement dû à certaines contingences. Et c'est ce qui fait que souvent, on ne peut pas écrire. Ben, ce n'est que partie remise. Sachez que nous faisons déjà les analyses dans nos émissions, mais très bientôt, je dirais à partir du lundi, nous allons reprendre à écrire nos propres analyses et les lire. Et donc, parce que c'est ce qui aussi fait la force même de notre émission. Et je vous dis merci. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'éditorial de notre mère Massiata Blanc. Et donc, lorsque nous en aurions fini, vous allez pouvoir directement poser vos différentes questions ou bien même nous élucider sur certaines réalités du pays afin qu'on puisse s'éduquer. Il me semble certainement que la ligne doit être peut-être mauvaise du côté de Paris. Donc, nous allons encore essayer une fois de plus pour voir si notre mère est disponible. Et si tel n'est pas le cas, nous allons directement passer la ligne aux éditeurs afin que les uns et les autres puissent poser leurs préoccupations et que nous puissions quand même donner les réponses que nous avons ou bien que nous puissions même apprendre auprès des uns et des autres. C'est vraiment l'objectif aussi de cette émission-là. S'informer, s'éduquer, se cultiver. Et donc, nous vous disons merci infiniment pour tous les efforts que vous faites. Et sachez que vous avez fait le bon choix, le choix de la fraternité, le choix de défendre la vie, et surtout le choix de choisir et d'accepter un homme de conviction et un homme de résultat qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je crois que c'est un choix honorable et nous devons en être fiers. Et certainement que la ligne de notre mère ne passe pas. Et donc, chers auditeurs, sans plus vous prendre de temps, les lignes sont tracées et vous pouvez commencer déjà à poser les différentes questions. Et comme je l'ai dit, plus tôt les questions seront posées, mieux c'est. Ça nous permet de gagner en temps et d'être beaucoup plus efficace. Allô? Oui, je suis en direct. Oui, vous êtes en direct actuellement, mais nous avons un problème, c'est qu'il y a un appareil derrière vous. Bonsoir éclaireur. Bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce. Je suis en direct. Madame Kwame, vous êtes en direct et tout le monde entier vous écoute actuellement et c'est avec plaisir. Bon. Je suis un peu confuse là. Bonsoir éclaireur, bonsoir toute la classe. Bonsoir à vous. Mais voilà, ça fait un bon moment que je ne me connais pas en direct. Et je pense en différé qu'on ne connaît.
tenu des difficultés, enfin des problèmes qu'on a un peu ici. Mais enfin, c'est la première fois que je voulais intervenir. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner un peu mon point de vue. C'est pour ça même que cette Ouais. émission-là existe, parce qu'ici, nous ne OK. faisons de différence aucunement entre qui que ce soit, c'est notre propre tribune, et vous avez plus que le droit de parler, parce que vous êtes d'abord une Ivoirienne, vous êtes une mère, vous êtes une Africaine, et même c'est plus qu'un droit pour vous de parler ici, tant que nous respectons le respect mutuel et le bon ton. Voilà, je vous remercie. C'est un plaisir. Je voulais un parler de ce que le président de la République a dit concernant notre sœur qui a eu ce problème-là. Franchement, c'est déplorable. Mais je crois que le président, en tant que président de tout le monde, il a bien fait. Vous savez, l'éclaireur, vous avez l'habitude de lire la Bible. Vous savez, dans la Bible, on nous dit, il est juste que le scandale arrive. Mais malheur à qui le scandale arrive. Effectivement, Vous voyez un peu. effectivement. Et souvent, j'ai l'impression que nous, les militants du RHDPRDR, on veut mettre du sable comme on dit chez nous, dans l'article du président. Nous tous, on aime bien, on l'aime. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prouver qu'on l'aime? Ce problème qui est arrivé là, c'est vrai, ça pouvait arriver à tout le monde. Mais ça ne devrait pas arriver, ça devrait pas passer par nous. Je veux dire, militants du RHDP, ça ne devrait pas passer par nous. C'est déplorable, ça fait mal. Parce que, comme on dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas aux autres. Nos frères et sœurs là, ils ont l'habitude d'aller écouter les autres, les bons, les terroristes. Ces gens-là, ils disent des paroles venimeuses et ça fait que ça chauffe tellement le cœur que les gens ont envie d'exploser. Alors, pour éviter tout ce genre de trucs-là, moi, je pense, hein, qu'il faut éviter d'aller écouter. C'est mieux que l'éclaireur écoute. Lui, au moins, il fait les analyses et puis il nous informe. Mais allez écouter, quand ils disent des paroles comme ça, franchement, ça fait mal. Et je crois que c'est ça qui a poussé notre soeur à l'erreur. Mais il faut que justice soit faite. Parce que si nous tous nous crions à la justice, il faut que justice soit faite. Si après le président, en tant que président des institutions, il prend un décret pour la libérer, ce serait tant mieux. Mais pour le moment, il faut qu'on accepte le verdict comme ça. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Ce n'est pas un truc entre Ivoiriens où ça s'est passé quelque chose. C'est devenu un truc international. Tout le monde en parle, même ici en Italie. On est gêné. Imaginez un instant qu'après cette histoire-là, les autres aussi commencent à bastonner tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'on dira? Ah, les Blancs, ils sont racistes. Ah, les Africains, ceux-là, ils sont ceci, ils sont cela. Ça-là, ça ne devrait pas venir de la Côte d'Ivoire. On a nos problèmes, on a nos problèmes. Moi, depuis que je suis née, ça fait 54 ans, moi, je n'ai jamais vu qu'en Côte d'Ivoire, on a eu problème avec les Nigériens à Oussa. Ils se sont jamais mêlés de notre politique. Ils se sont jamais mêlés. Mais bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit là. Ça fait mal. Donc, moi, je voudrais dire à nos frères, à mes soeurs, militants et militantes RHDPRDF, de se calmer. Ça ne sert à rien de venir sur la toile dire que oui, on est découragé du président, ou bien on aime le président pour sa politique, ou on aime pour sa personne. Parce que si vous aimez le président pour sa personne, là, vous serez déçu. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Mais si vous aimez le président pour sa politique, vous allez comprendre que c'est un homme de paix, un homme de justice, un homme d'ordre qui n'aime pas le désordre. Vous comprenez un peu? Donc, que nos militants là se calment. Si on veut le président, qu'on le suive dans sa ligne, dans sa conduite. Et puis, bon, nous tous, on va avancer. Si on veut dire que non, on n'aime pas le président parce qu'il a pris telle décision. Donc, c'est mieux qu'ils aillent soit chez Bédier, chez Babo, ou bien chez Soro. Je ne pense pas qu'ils sont meilleurs que le président. Hein. Donc, bon, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, quoi. Bon, si j'ai blessé quelqu'un, que la personne m'excuse. Mais bon, je pense que c'est comme ça que j'ai vu la chose, que j'ai voulu juste ajouter mon grain de sel, quoi. Ok. Voilà un peu. C'est nous que vous Mais disons, Madame pas Kwame, c'est nous que vous jeter. disons merci.
Parce que tout ce que vous avez dit, vous avez taillé dans le vif, mais vous avez été tranchante dans les arguments et surtout dans la méthode. Et vous avez donné un langage qui ramène les uns à nous autodiscipliner. Et c'est à cela que Enza Touré disait, merci madame, en se référant à vous, éclaireur demande toujours de ne pas aller écouter nos opposants. Vous savez que dans les épîtres bibliques, le Christ recommandait fortement, puisque vous avez lu le chapitre de Luc 17, verset 1, où le Christ nous disait à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Voilà, c'est l'épître, ou bien si vous voulez, le livre de Luc, chapitre 17, verset 1. Et dans la même Bible encore, le Christ nous disait, ne donnez pas les colliers d'or aux cochons. Tout Ça ne veut pas dire que, en fait, il se référait au vilain, comme pour dire que l'être humain, là où il ne fait pas bon, il ne faut pas semer la bonne graine sur la mauvaise terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est alassaniste, ou bien quand on est RHDP, nous avons une vision claire et nous avons une compréhension limpide de la réalité. Comment se fait-il que nous, on va aller aujourd'hui s'empoisonner avec des gens qui sont haineux, des gens qui sont des comploteurs contre la République? Et en même temps, on veut porter cette contradiction dans notre vie en disant qu'on aime le président. Franchement, ça Et me fait donc, mal. les gens, je dirais même que ce soit même, on peut beau critiquer tout le monde, mais on ne peut pas dire ou forcer quelqu'un à ne pas faire ce qu'il doit faire sur les réseaux sociaux. Mais tant que nous allons continuer à donner de la valeur à ces cyberactivistes incendiaires, propagande, et qui font de la propagande de la haine et de la discrimination, voilà les conséquences auxquelles nous nous attendons. Aujourd'hui, tout porte à croire que la sœur, c'est son cœur qui a parlé plus que sa raison. Et malheureusement, comme on l'a dit, malheureusement, elle payera le prix. Et si pour ça, certains sont découragés du président, j'ai dit que vraiment, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que le président a pris une position qui est juste et une position qui est acceptable. Parce que les Nigériens, tout comme toute autre forme d'Africains, sont nos frères. Et ici, nous ne disons que défendre les vies. Nous disons défendre les vies. Et nous ne faisons pas de sélection. Il faut que les gens comprennent ça. Et il ne faut pas penser qu'à travers la volonté des puissances, aujourd'hui, nous pouvons sélectionner et faire du mal à autrui. Mais ce qui est intéressant dans la leçon que nous venons de nous donner, si je me punis moi-même, ça veut dire ceux d'en face, je dois être capable de les punir aussi avec la même sévérité. Et donc, ce qui est intéressant dans ce message, ça veut aussi dire que les gore incitateurs à la haine, ça veut dire que vous serez traqués de façon irrévocable et de façon très ferme. Et ça, déjà, c'est la leçon qu'il faut retenir. Et je crois qu'après cela, je crois qu'après cette réalité, ce qui était important, il y a eu des accusations contre notre sœur Fofana Mawa et succès. Mais aujourd'hui, on a pu voir le vrai du faux. Et maintenant, on sait où on se situe. Et donc, on peut comprendre clairement maintenant, on peut demander la clémence du chef de l'État pour pouvoir la libérer. Ça, c'est chose qu'on fera tous. Moi-même, je vais m'engager à ce qu'elle soit libérée le plus tôt possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, elle a retenu la leçon. Et ce que je peux aussi dire à notre sœur, c'est de l'inviter à l'humilité et à garder le sens de l'équilibre mental et du raisonnement. On ne peut pas être partout et nulle part à la fois. Par plusieurs occasions, elle avait peut-être ses raisons d'insulter les autorités. Moi, je critique les autorités, mais je ne les insulte pas. Je ne sais pas si vous me concédez cela. On Et peut critiquer, mais pas voilà, insulter. voilà, C'est une question d'éducation aussi. voilà. Moi, je peux accepter parce que même c'est ce que je dis à nos opposants. Si aujourd'hui, moi, je me permets de critiquer les cadres de la République, c'est parce que j'ai des solutions à leur proposer. Mais de là à aller les insulter, je ne me le permettrai jamais parce que c'est des pères de famille. Il faut qu'on respecte la dignité des uns et des autres. Et souvent, ces discours d'insultes ou bien des dérives des langagières qu'elles se donnaient le droit de faire, ce n'est pas des bonnes choses. Et donc, moi, je vous dis merci infiniment, Madame Vraiment, Kwame. Et surtout, merci. surtout, vous voyez que c'est la seule plateforme Vraiment, ici. on espère qu'on va trouver la solution. Non, Et puis, bon, on va voilà. taper des portes pour Que qu'elle nos soit. militants comprennent que ça sert à rien. Mais, franchement, c'est écœurant, mais bon, en fait, c'est arrivé, c'est arrivé. On sait qu'il y a toujours une solution Il à y tous les a problèmes. un de Et mes on va frères trouver qui la dit comme solution. ça que nos militants Voilà. sont trop naïfs. Et effectivement, il y a un travail, il y a un travail de formation même et d'information des militants qui est nécessaire de faire. Et je crois que nous sommes prêts à aider les autorités
Et surtout, les médias sociaux, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui des moyens, des canaux de communication très puissants. Et donc, il ne faut pas Moi, je laisser. pense que, éclairez-vous ou pas, je pense que nos militants, surtout, ils doivent éviter même, comme je l'ai dit au départ, d'aller écouter les autres là. Vraiment, Parce vraiment. que les autres là, ils sont. Vous voyez ce que la femme a dit là, notre soeur a dit là. Elle n'est pas la première. On a eu, il y a un individu, excusez-moi, qui a sa tête, on dirait, train qui est quelque part à Londres là. Il a dit pire que ça. Sans compter l'autre qui est sorti pour dire que les gens du Nord sont sales, ceci, ces gars-là. Mais ceux-là, au moins, ils ne sont pas au pays. Je vous assure, s'ils étaient au pays et ils tenaient ce genre de langage, pour ça, on allait mettre la main sur eux. Mais ils ne sont Effectivement, pas au pays. Mais à effectivement, partir de effectivement. cette histoire-là, vous allez voir que les gens-là, ils vont modérer un peu leurs paroles. Parce que cette Effectivement. fois-ci, là, c'est le mandat international qui va aller contrôler là-bas pour aller les dénicher pour les ramener en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que ça arrive. Comme ça, tout le monde va se calmer. Trop, ça devient trop. On se lève un matin, on insulte le président. Et un homme, c'est un père, un grand-père. Et en plus de cela, il est le président d'une république. Les autres pays, là, quel que soit ce qu'ils ont comme problème, ils n'ont jamais insulté leur président. Mais il n'y a que les Ivoiriens. Hein? Et puis, en plus de cela, vous qui êtes les militants, RHDP, une chose là, c'est vous, pour un vivre, non, vous, fâchez-vous et condamnez votre président. Alors, au lieu de faire bloc autour, disons, nous devons tourner notre dos même pour que les gens nous frappent et protéger notre président. Point oui, point non, c'est nous, RHDP, on fait des sorties. Non, le président ne devait pas dire ça. Non, il faut ceci, il faut cela. Non, il y a des trucs diplomatiques qu'on fait ensuite. On n'est pas obligé de venir sur la toile pour raconter ça. Disons l'essentiel et puis avançons. Et puis Moi, je moi, pense que c'est et puis moi, j'ai très dit quelque fort. chose. Si on était aussi intelligent que ça, pourquoi on a demandé au président de faire un autre mandat? Si on était beaucoup plus intelligent, moi je le dis, hein, je n'ai pas honte, madame. Le Oui, président est j'avais plus fait. intelligent que moi. Et il est plus sage que moi. Et l'expérience de la vie, il l'a plus que moi. Et je n'en ai pas honte. Et je me mets à ses côtés et j'apprends résolument à côté de lui. Et il est mieux informé que moi. Qu'est-ce que le président a dit qui soit si mauvais? Que le fait d'avoir tué des frères africains ou de brimer les... Non, la Côte d'Ivoire est une terre de fraternité et d'espérance, comme le dit notre hymne national. Et c'est ce que le président a rappelé. Et donc, ceux qui pensent vraiment que le président a dit quelque chose qui est mauvais, si vous aimez tant la belligérance, commencez à vous attaquer aux gars qui insultent, ou bien même ceux-mêmes qui insultent, parce qu'il ne suffit pas de dire je n'aime pas ce que... Mais toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, depuis que tout ce qui se passe autour de toi, viens me donner le résultat de ce que tu as fait. Le président fait déjà suffisamment. Et donc, il ne suffit pas de donner ses avis à quelqu'un, mais il suffit de donner aussi des actions pratiques et pragmatiques. C'est vraiment important. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et puis, nos gens-là, ils doivent vraiment apprendre par cœur l'hymne national. Ça va Vraiment. aussi les guérir. Parce qu'ils ne connaissent pas le sens même des paroles de l'hymne national. Ce n'est Vraiment. pas des paroles en l'air, ce n'est pas Non, des mais. paroles au Mais hasard. maintenant, vous Ça a voyez, une histoire. Ça cette a une génération de histoire. coupés décalés qui ne savent même pas de quoi la vie même est faite, ils sont là, ils voguent partout et nulle part à la fois. Il faut rééduquer le peuple ivoirien, c'est très important. C'est vraiment Franchement, important. éclaireur, je vous assure, nous autres là, on a vécu un peu sous l'air au foyer. Donc, quand on voit toutes ces choses-là, ça nous rend tristes, ça nous écoeure. Franchement, je me demande bien. Mais bon, je ne sais pas, ça me donne les larmes aux yeux. N'y a pas de Franchement, problème. donc, je vous remercie. N'y a pas de Moi, problème. j'espère que nos frères là vont comprendre. Il n'y a pas mieux ailleurs que le président de la République. Alassane Pas Draman possible. Ouattara. Il n'y a pas un autre président mieux. D'ailleurs, Vraiment. ils ont géré nous tous, on a vu. Peut-être c'est ceux qui n'ont pas vécu leur ère là, qui ne savent pas comment les autres ont géré. Sinon, nous qui avons été un peu témoins, on sait faire la différence. Effectivement. Donc, il n'y a pas mieux. Maintenant, Effectivement. moi, là, je suis fâché. Celui qui dit que le Prado a dit ça, qu'il ne veut plus être militant, il n'y a qu'à aller ailleurs. Ce n'est pas grave. Il y aura d'autres qui vont venir. C'est ça qui est la vérité. N'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Et vous passez une très bonne soirée du côté de Londres, j'espère. Merci à vous, Ok, pareillement. merci. Et puis, on reste à N'y a l'écoute. pas de problème. N'y a pas de problème. Et donc, chers auditeurs, nous allons aller et nous allons appliquer la règle des 5 minutes pour que les uns et les autres puissent parler parce que la ligne est extrêmement longue. Et à notre mère Massiata Blanc, elle fera son éditorial, mais qu'elle me permette au moins d'appeler au moins quelques personnes. Et à la suite, elle fera son éditorial. Et nous allons permettre aux uns et aux autres de s'exprimer dans un temps de 5 minutes, selon la nature des préoccupations qui existent.
Bon, bonsoir, monsieur Fakoli. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Fakoli. Ça va, monsieur? Oui, ça va très bien. Et la famille? Par la grâce de Dieu, ça Ah, va. Dieu merci. Je voudrais intervenir sur le cas succès. Il n'y a pas de problème. Je voudrais dire deux mots. Je ne suis pas bavard, mais je voudrais intervenir pour dire que la décision du président, c'était extraordinaire. Effectivement. C'était la meilleure façon. C'était la meilleure façon de soulager tout le monde. Ceux qui ne sont pas contents, comme vous le dites souvent, ils font la politique avec émotion. Effectivement. Voilà, la politique, on ne fait pas avec l'émotion. La politique, c'est être cru. Les politiciens font la politique. Les blogueurs, souvent, c'est-à-dire surtout cette dame, je suis abonné chez elle, mais elle avait un peu trop exagéré, elle avait pris des ailes. Comme ça, elle va venir un peu sur terre. C'est un bon exemple. On commence chez soi d'abord, et puis on sort dehors avec. Il faut éduquer tes enfants chez toi d'abord. Après les enfants des autres, tu peux parler sur eux dehors. Donc, je vais dire qu'il n'y a rien à dire. C'est un bon exemple qu'il a donné. J'espère que les autres vont comprendre. C'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas de problème. Monsieur, Je suis très voilà. content de ce que vous dites. Le chef de l'État ne sera jamais un mauvais exemple pour nous. Il a déjà tracé une ligne de conduite. Et disons à nos militants, quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez qu'on vous explique. Et si nos explications ne sont pas à la hauteur, vous nous dites carrément, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Et on vous réexplique. Mais être dans les sentiments, c'est quand même assez enfantin et ça ne porte pas de résultats. Et c'est ce que vous venez de dire. Et nous vous disons merci. Merci à toi Ok. et merci pour tout. Vous passez une très bonne soirée. Allez, merci. Ok. Bonne soirée, bon week-end. Ok, à vous pareillement. Allô? Oui, bonsoir, le roi du printemps. Et comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Oui, effectivement. Oui, vous pouvez parler et on vous écoute. Bonsoir à toute la classe et au chef de classe. C'est toujours un plaisir aussi de pouvoir intervenir sur notre plateforme, comme je le dis toujours. C'est cette plateforme-là qui nous permet de pouvoir donner la vraie information et éveiller les consciences où on se dit tout sans tabou et sans injure aussi. Et ceci dit, j'aimerais parler du voyage du président par rapport aux assises du FMI et ensuite parler du succès qui a été condamné à 5 ans de prison, assorti d'une amende de 2 millions, et ensuite parler de la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui à Port-Bouët, à la place à Kouaba, qui a regroupé les victimes. Voilà, donc ces trois thèmes-là, je voulais parcourir et intervenir un peu. Donc, pour commencer, j'aimerais dire le président a effectué son voyage par rapport aux assises du FMI. Et nous tous, nous avons vu à son arrivée, il a fait le point de son voyage. Et ça, tout de suite, nous avons tous compris que le voyage qu'il a effectué
été un voyage bénéfique pour la Côte d'Ivoire et je dirais même pour toute l'Afrique, puisqu'il a eu à intervenir sur beaucoup de points, en ce qui concerne aussi la dette des pays et la façon dont les dettes doivent être remboursées. Et je pense que les autres pays africains, les présidents qui étaient là-bas, ils ont tous aimé l'intervention du président, sachant très bien que c'est un produit de la maison. Il a travaillé au FMI, surtout les institutions de Bretton Woods. Il connaît un peu le fonctionnement de ces institutions-là, de ces institutions. Et aussi, il sait qu'est-ce qui est bon pour les Africains. Donc, nous lui disons merci. Nous lui disons merci d'avoir effectué ce voyage et de venir avec des résultats probants. Par rapport à la dame qui a été condamnée succès, il faut dire que sincèrement, je suis peiné. Pourquoi je dis je suis peiné? Parce que ça ne devrait pas venir d'elle. Puisque, étant une militante RATP, et nous tous, on a vu un peu ces vidéos. Et après tout, c'est comme on le dit, elle-même, là, d'après elle, ça a été une erreur, elle est tombée dans les fake news. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voudrais dire, quand on suit un peu les choses, moi, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Et moi, je respecte les avis des autres. Après, c'est une analyse que nous faisons et nous donnons notre avis. Comme vous avez pris un passage de la Bible que vous avez paraphrasé, malheur à celui par qui le scandale passe. Mais éclaireur, je ne condamne pas la justice ivoirienne. La justice ivoirienne a fait son travail. Mais je vais dire quoi? Il aurait fallu commencer depuis pour en arriver au résultat que nous avons connu aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a eu trop de laisser-aller dans ce pays. Et au nom de cette réconciliation que les gens prient tous les jours en train de nous embêter avec cette réconciliation, et je pense que voilà où on en arrive. Parce que quand on gère un pays avec des sentiments, avec des états d'âme, voilà ce à quoi on peut s'attendre comme résultat. Je vais encore plus loin. Vous voyez la crise post-électorale de 2010, auquel nous avons assisté, qui a connu beaucoup de morts. 3 000 morts. Et on sait l'homme par qui les morts sont passés, le scandale est passé. J'ai bien entendu M. Tamara Picasso. Et devant tous les Camerounais du monde entier qui a froissé les résultats d'une élection parce que son candidat a perdu les élections. Et ça n'est suivi ce qu'on a connu. Beaucoup de morts, des milliers de morts. On ne peut même pas compter les morts. Il a fui, il est parti au Ghana. Il a fait 10 ans. Mais le président, dans sa quête de recherche de la paix, a dit qu'il faut qu'il revienne au pays. Et plus on est revenu au pays, et tous sont revenus au pays, plus un cardinal qui a dévalisé la BCAO à hauteur de 300 milliards. Ils viennent au pays. Ils sont rentrés en fanfare. Ils ont été bien accueillis à l'aéroport. Monsieur Tamara Picasso, il se croit toujours à terrain conquis, à terre conquise. Il vient, il rassemble les gens à Yopougon, il fait une vidéo appelant à la haine et dit des trucs qu'on ne doit pas dire. Pendant que tu as fait 10 ans dans les autres pays, tu as dit, vous avez accepté les étrangers. Ça, c'est des propos. Pour elle, c'est des propos xénophobes. Il a été condamné. Il n'a jamais été condamné. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est parce que les bruits ont couru, couru. Il a été appelé à la police pour être verbalisé. Ça, c'est bien. Mais on pouvait faire autant pour succès. Je ne la défends pas. Mais je vais dire, verbaliser Tamara Bical qui a aussi tenu des propos et venir condamner succès, je trouve qu'il y a une justice à géométrie variable. Il fallait commencer par traquer Tamara Bical et personne n'aurait cru au scandale parce qu'il a failli à sa mission. On t'a fait venir, c'est pour venir participer, comme on l'appelle, à la réconciliation. Mais quand tu viens, tu tiens des propos et tu tiens des propos. Pour appeler un soulèvement. Ça veut dire que la réconciliation dont on parle, ils font de la réconciliation comme un prétexte, alors que en réalité, l'agenda est caché. Ils sont en train de préparer leur coup. Moi, je condamne les propos de la sœur, mais on devait condamner Tamana Picasso pour montrer aux autres qu'on ne se comporte pas comme ça.
Mais on a tout laissé. Le CNT, tout le monde connaît les activités du CNT. Des responsables politiques comme les Afin Guissa, les Guikaoué, qui sont arrêtés et qui ont appelé à s'opposer par tous les moyens à l'élection présidentielle. On a vu les morts ici. Le procès, ils ont été mis en prison. Après, ils ont été libérés. Sur quelle base? On cherche la réconciliation. Mais l'éclaireur, quand on veut gérer un pays, comme je le dis toujours, il ne faut pas trier, il ne faut pas catégoriser les Ivoiriens. Quand vous le faites, naturellement, d'autres se trouveront frustrés. On les a libérés. Ils continuent encore dans les sales besognes. Mais on va où? Récemment, le jeune Gourébi, qui s'est assis en France. Bon, d'abord, je vais vous poser une question avant de continuer, si vous me le permettez. OK. Voilà. Et je veux dire, où on en est avec ce problème? On en est avec ce problème sur le fait que nous sommes en train de poser des actions et malgré avec nos propres moyens, mais Gorobi n'est pas aussi laissé, il ne s'en est pas sorti aussi indemne comme certains pourraient le penser. Et les actions de justice continuent, certes c'est lent, mais la police aussi de la Côte d'Ivoire avait lancé une action aussi contre lui. Et en même temps, j'aimerais vous signaler qu'un cyberactiviste est différent d'un politicien. Et dans le cas de notre soeur Success ou Succès, c'est une cyberactiviste. Voilà. Alors que, effectivement, ce que tu as dit, les propos qu'elle a tenus engagent non seulement la stabilité et la sécurité de la Côte d'Ivoire, mais elles ont engagé aussi les rapports diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et un pays étranger. Donc, ça fait autant de facteurs où la Côte d'Ivoire devrait laver son image. C'est vraiment très important. Si Success s'en sortait, et quand je dis Success, c'est en anglais, ça veut dire toujours, parce que je dis ça, Success, c'est la même chose. Et donc, c'est pour ces principes-là que la Côte d'Ivoire a voulu laver son image diplomatique. C'est vraiment très C'est ça, important, je suis surtout d'accord. avec tous les efforts. Mais ce que Voilà, vous dites je suis d'accord. maintenant, ce que vous dites, vous avez totalement raison. Et c'est en cela que j'ai fait l'analyse en disant que maintenant, il n'y a plus de raison. Quand tu as la bonne charité commence par soi-même, dit-on. Maintenant que nous avons appliqué la loi sur nous-mêmes, est-ce que les autres d'en face peuvent se plaindre si nous venons les frapper avec la rigueur de la loi? Je pense que non. Et donc, ça veut dire maintenant que les mains sont libres pour frapper avec le fouet de la justice quiconque tiendra des propos haineux ou aura des attitudes haineuses. Ça, quand même, il n'y a plus de doute à ce sujet. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux continuer. Oui, très bien. Oui. Voilà. Ok. Donc, je voulais dire ceci. Comme je l'ai dit, vraiment, c'est choquant d'en arriver à cette situation. Et je condamne fermement cette attitude. Et vous voyez l'éclairer. La guêpe, je ne sais pas, bon, d'accord, la guêpe, elle est aux États-Unis. Mais à longueur de journée, en train d'insulter le président, traiter le président de brigand, mais elle n'a jamais été inquiétée aux États-Unis. On est un ambassadeur là-bas. Et puis, moi, je veux dire, il y a certaines choses. On a vu le cyberactivisme qui est resté aux États-Unis, qui a appelé à faire du n'importe quoi au Sénégal. On a coulé la suite. On a coulé la suite. On sait comment le dossier a été traité. Donc, je veux dire, nos autorités, souvent, il y Frère, si vous a me des choses permettez, auxquelles ils doivent faire face. si vous me permettez, j'allais vous dire deux choses. Vous savez que les États ont des intérêts qui ne se ressemblent pas, qu'on appelle des intérêts divergents. C'est ça. Vous savez ce que l'État du Sénégal a payé pour pouvoir avoir cet opposant-là? Et donc, c'est ce que j'aimerais dire aussi. Chaque Non, État, voilà. Par exemple, le Oui. Sénégal a carrément donné un bataillon pour aller combattre auprès des autorités américaines, mais ils ne le disent pas au grand jour. Or, le président Ouattara se dit quoi? Dans de tels cas, si c'est pour prendre un petit poisson, qui n'est rien parce que le président Alassane Ouattara a axé sa politique sur le développement et a laissé des traces positives. Ce ne sont pas ces petites personnes individuelles inutiles qui l'intéressent en réalité. Et il s'est dit quoi? Aujourd'hui, l'Afrique qui est minée par le terrorisme, ce n'est pas à cause d'un individu. Je vais prendre 200, 300 personnes, aller les mettre dans un combat qui ne nous est pas profitable. Et donc, Ça. en toute chose, en toute négociation diplomatique ou politique, il y a toujours, surtout un pays pauvre, le pays pauvre, on paye un prix qui est plus fort que le résultat qu'on obtient. Et les gens prennent les exemples, c'est bien beau, mais le Sénégal a plus donné qu'il n'a reçu. Et donc, ça veut dire que le Sénégal a perdu. C'est vrai que l'exemple pourrait satisfaire les consciences ou bien les sentiments du moment, mais dans la réalité pratique, quand on fait une analyse
en termes de ce qu'on a gagné et de ce qu'on a perdu, le président estime que plutôt que d'aller donner la vie ou bien mettre en danger la vie des... C'est un exemple que je prends, hein, parce que vous avez pris la même chose. Je ne dis pas aussi que c'est forcément mauvais parce que chaque État décide de sa politique, mais je vais dire que nos autorités savent très bien ce qu'elles font. Et ces personnes-là mourront de leur propre mort et de leur belle mort, ça je vous assure. Et moi-même qui te parle ici aux États-Unis, nous avons pris des actions. Et très certainement, s'il plaît à Dieu, vous verrez les conséquences de ces actions-là contre ces personnes-là. Et vous allez savoir qu'il y a des choses qui ont... Les lignes vont bouger. C'est ce qu'on peut vous dire aussi. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Donc maintenant, je voulais aussi interpeller nos cyberactivistes pour dire, quand on est cyberactiviste d'un parti politique et qu'on adhère aux idéaux du parti au pouvoir, je pense qu'il doit avoir une ligne de conduite. Et laquelle qui doit donner un exemple aux autres. On ne doit pas faire les choses de façon anarchique. Et moi, j'ai constaté au niveau des cyber-activistes RADP, plutôt que de faire la promotion des actions du président, ils se sont affiliés à des cadres du RADP. Et plutôt que de faire la promotion du président et des actions du président, on a vu, et il suffit seulement que tu parles un peu net d'un cadre qui a fait un truc et tu veux décrier certains cyber-activistes. Dont on leur donne un peu de miel, excusez-moi pour le thème, parce qu'on n'est pas là pour se caresser dans le sens des poils. On leur donne un peu de miel, la personne se lève et s'attaque directement à toi, parce que toi tu as parlé de son mentor. On n'est pas là pour s'affilier à un tel ou tel. Nous sommes là pour faire la promotion du président et de ses actions. Donc c'est le lieu de dire aussi bien activiste RADP, ce qui est arrivé à la sœur peut arriver à tout le monde. Donc, vous qui faites là, si vous pensez qu'en faisant ça comme ça, si vous avez eu un problème, le cas là peut vous protéger, il ne peut pas vous protéger. Au contraire, même là, s'il parle, lui, il va vous accompagner en prison. Donc, c'est le lieu de vous dire, laissez ce problème de cas là et faisons la promotion des actions du président. Ça, c'est encore plus bénéfique pour lui parce que nous aimons le président, nous l'avons demandé de se représenter, il s'est représenté et il a gagné. On a vu encore les progrès qui sont en train de se réaliser. Donc, il n'y a pas de raison que nous le laissions tomber. Il faut vraiment faire sa promotion. Il n'y a pas donc, de problème. Arrêter de faire la promotion des cadres et d'opposer les cadres à eux. Donc, je vais dire encore le clair par rapport à l'activité du jour. Comme je te l'avais dit matin en inbox, nous avons eu une activité à Port-Boué, à la place à Kouaba, qui consistait à aller se faire entendre par rapport à une éventuelle arrivée de Laurent Gbagbo, le criminel. Donc, par la grâce de Dieu, l'activité s'est bien passée. En tout cas, il n'y a pas eu de heurte. La gendarmerie était présente et autres là. Mais vous savez que quand vous avez raison, rien ne peut vous empêcher. On n'a pas essayé de dire hier, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu un incident, et que l'activité s'est bien passée. Donc, je voulais dire merci à toutes les victimes, tous ceux qui ont effectué le déplacement, et nous leur disons merci. Et nous leur disons aussi courage à eux, parce que le résultat qu'on veut atteindre, on est sur la bonne voie, et il ne faut pas se décourager. Il faut montrer à ce criminel que nous sommes là et que nous l'attendons. Dès qu'il arrive, on va lui donner les nouvelles du pays et que tu as tué, tu es parti, voilà, les victimes sont là. Mais quand tu es revenu, tu as vu le pays a changé. Et donc, c'est le lieu de leur dire merci et bonne continuation. Okay. Donc, vraiment, ça a été bien. Okay. C'est à moi de vous dire. J'ai déjà les photos, et effectivement, parce que depuis le matin, quand tu partais, tu m'as informé. Et ça, c'est l'occasion que moi, je profite devant tout le monde pour te dire merci. Parce que tu as été, toi et puis notre frère Sundiata, les deux personnes qui ont mobilisé et qui mettent en pratique, en réalité, ce que nous avons décidé. Et donc, ça veut dire que notre capacité de mobilisation, pour ceux qui pensaient qu'on s'amusait, vous l'avez vu une première fois et une deuxième fois, et ça ne fera que s'accroître. Et je profite pour te dire, le roi, je m'incline en face de vous. Et je vous dis, continuez à faire ce que vous avez à faire. Et ceux qui pensaient, parmi les gens du RHDP, que notre méthode n'était pas bonne, vous venez de voir aujourd'hui que la République ne peut pas brimer les vraies victimes. Quelqu'un qui a le ventre qui est amputé, quelqu'un qui est victime, la conscience humaine même ne peut pas aller si loin
dans la négation des faits. C'est ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui pensaient qu'on était en train de faire quelque chose pour inciter à la violence, ont compris que non. Réclamer ses droits, on peut le faire sans la violence. Et demander à Laurent Gbagbo d'aller d'abord faire son aquaba à la justice, et puis d'aller s'asseoir à la maca pour qu'on décide de son cas. Si on a pu condamner Success dans la Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est qu'on peut condamner Laurent Gbagbo aussi dans la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, parce que la loi va s'appliquer à tout le monde et sans exception. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un actif qui fera grandir le chef de la République et le président de la République. C'est ça. Donc, c'est à moi de vous dire vraiment merci. Donc, excusez-moi, pour vous laisser, donc, il veut dire la prochaine manifestation. On ira le faire au ministère de l'Intérieur pour se faire entendre aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, la prochaine activité, ça sera au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Et donc, ceux qui pensaient qu'on s'amusait, les gars, vous allez voir notre détermination. Et elle est plus qu'une détermination. C'est un sacerdoce. Et nous allons continuer et nous allons mobiliser pour envoyer Laurent Gbagbo en prison. Et ça, c'est une détermination qui est absolue chez nous. Et on ne laissera pas tomber. Et je dis ceci, si tu me permets, au président des victimes de faire très attention. Oui. S'il va discuter avec Damana Picasse, il perdra notre soutien. Et pardon, avec Kone, comment il s'appelle déjà là? Le Kone, l'homme de Gbagbo là, qui était au Ghana là. Voilà, Kone Katina. S'il s'amuse à aller discuter n'importe comment avec Katina, il devient donc, s'il veut faire de la politique sur le dos des victimes, qu'il fasse très attention. Je parle de vous, monsieur Diaby, du CVC. Faites très attention. Si vous partez discuter avec ce monsieur-là, nous allons vous exclure et vous serez déchu de votre titre. Ça, je préfère vous dire directement. Ça, c'est des vraies victimes. Voilà. Et nous ne sommes pas venus pour faire de la politique avec ces gens-là. Nous sommes venus pour exiger un droit naturel de toutes les victimes sans distinction. Et donc, cher monsieur, ne vous avisez pas à faire dans du jeu. C'est vraiment très important et je tenais. Il est en train de chercher à faire ça. Si tu veux obtenir de l'argent sur le dos des victimes, et que si vous entendez ça, dites à ce monsieur Diaby de faire très attention. Nous sommes dans une dynamique et s'il sait qu'il est incapable ou bien qu'il veut faire de la politique, qu'il commence déjà à faire sa politique et qu'il se désengage des victimes. C'est vraiment très important. Il fallait qu'on signale cela aussi. C'est ça. Oui, oui. Donc, c'est nous qui vous disons merci, comme il y a plusieurs personnes qui veulent appeler. Donc, on va prendre aussi les autres. Donc, vraiment, restons mobilisés et vraiment merci pour ce que vous faites et continuons à mobiliser au maximum afin que ces gens-là sachent qu'ils ne sont pas en train de nous amuser. Merci beaucoup. Oui, merci. Chers auditeurs, sachez que tout le monde sera pris. Tout le monde sera pris. Et je vais m'imposer de faire les 5 minutes afin que les uns et les autres puissent quand même permettre à tout le monde de s'exprimer. Et donc, on va rester dans le canevas des 5 minutes. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, grâce à Dieu, ça va. Ah, Dieu merci. C'est pas grave. Oui, oui. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui m'ont appelé. Je voulais intervenir un peu sur ta note, ce qui a été condamné aujourd'hui. Voilà, moi, je vois les gens sont tous, je vois. De son choix, c'est qu'on ne peut jamais. Je dois comprendre que moi-même, la fille, la dernière fois qu'elle faisait sa vidéo, moi, j'étais à Diaby. Je l'ai parlé. Ça arrivait un moment, les gens n'ont qu'à la suite. Parce que les gens se disent toujours, je suis militant RNDP, je suis militant RNDP. Mais au fond, ce n'est pas de vrais militants, en fait. Aujourd'hui, en disant les militants, allez-y voir cette dernière vidéo qu'elle faisait sur le président. Regardez ce qu'il est tous au fond. De soi, appeler l'armée ici à qui nous avons arrivé. Puis toujours, quand il fait des vidéos du militant RNDP. Demain, s'il fait un premier mois, il sera militant du RNDP. Mais quand on est militant, je suis avec le RNDP, je ne change pas d'idée. Mais tu ne peux pas te lever avec le parti aujourd'hui, demain, tu ne parles pas. Mais si tu as un problème, aujourd'hui, tout le monde dit que c'est les militants engagés du RNDP. Mais c'est faux. Allez-y, regardez cette dernière vidéo. Moi, je suis habitué ici avec elle. Allez-y, regardez cette dernière vidéo. Et il critiquait franchement le président. Elle a fait une vidéo, elle a mis la photo du président, elle a dit, au président, mais le président, c'est son papa. Il dit, avant, tu as fait un truc. Aujourd'hui, tout le monde dit, c'est militant. Mais ça, elle n'est pas militant engagé du RNDP. Les gens n'ont qu'à rester. C'est la loi de la justice. Il faut que les gens acceptent. C'est pas parce qu'elle n'est pas militant du RNDP. Celle-là, elle a changé du bord. Elle était déjà en contact avec les souris. Demain, quand on sait qu'elle va faire un problème, ils vont dire, non, c'est RNDP. Il n'est pas RNDP. Quand on est dans un parti, on
commencé à donner l'argent au parti. Quand ils n'ont pas donné l'argent à la Chahiribo, elle a commencé à crier. Allez-y, va sur sa paille, vous regardez. Elle a critiqué le président même. Elle l'a invité au copieusement. Et j'ai fait une vidéo, tout le monde dit la RDP. Mais elle n'est pas RDP. Alors ça n'a jamais été à quelqu'un d'aller jeter des gens pour soigner, aller voir les étrangers. Les gens n'ont qu'à rester. La loi de la justice a fait son travail, on doit accepter. Celui qui n'est pas content du président n'a qu'à aller sur le parti. On est fatigué. Et déjà, ils font des vidéos, non, le président, c'est le président qui est la justice. Ce qu'elle a fait, c'est très grave. Ça pourrait renverser le pouvoir. Parce que moi, j'étais à Diamé, le jour elle a fait la vidéo. J'étais allé voir que rien n'a fait la vidéo entre la mairie jusqu'à la mosquée où on chère les bras. Elle fait, moi, mais je lui ai parlé avec elle. Mais je lui ai mentionné que tu fais, c'est pas bon. Nous, on a commencé à calmer les petits. Elle a fait la vidéo. Elle a même dit qu'elle s'en fout. Elle a fait la vidéo comme elle veut. Les gens ont vu. Non, on est aujourd'hui, on dit non, le président, c'est pas normal. Ils ont laissé Babou à faire comme ça. Babou et puis elle, c'est la même chose. Mais ce qu'elle a fait, ça pourrait renverser le pouvoir. Imaginez si toute la Côte d'Ivoire faisait ça. Mais le pouvoir, elle est parti. Les jeunes n'ont qu'à arrêter de dire, ce n'est pas grand militant du RDP. C'est des militants qui ne sont pas engagés pour le parti. Elles sont là juste pour les vendre. Quand c'est qu'il est violent, elle ne donne pas la échange de posture. Un militant n'est pas comme ça. Un militant est là même quand il pleut, il est là même quand il n'a pas d'argent, il est là. Allez-y, regardez dans sa vidéo. Et ceux qui viennent vous disent non, c'est comme ça, moi je ne suis pas d'accord, je suis d'accord pour qu'elle ait été condamnée. Et maintenant, on peut négocier peut-être ce qu'on doit faire pour qu'elle la libère. Mais ceux qui la justice a bien fait son travail. Et c'est comme ça. Elle n'est pas militaire engagée du RDP. Les gens n'ont qu'à laisser. Moi je lui dis. Moi c'est ce qu'il voulait dire. Elle n'est pas militaire du RDP. Parce que c'est à moi, j'ai vu cette dernière vidéo sur le président. Et moi, mais j'étais dégoûté. Tu es militant du RDP, tu parles comme ça, un président de la République. C'est celui-là qui vaut ton papa. Mais moi, je vois la vidéo sur sa page, allez-y voir. Demain, allez-y regarder, 215-15. C'est plus que nous, mais ceux qui vont repasser, ils sont RDP. Mais chaque jour, ils sont distrayés sur RDP. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord parce qu'elle a été jugée. Et c'est ça. Demain, quelqu'un doit faire ça, ils vont le juger. Que les gens arrêtent de dire non, je suis pas. Celui qui n'est pas content du présent, il n'a qu'à aller faire notre parti. Moi, je vais, même dans mon gré, ici à propos, si tout le monde, voilà, quand moi, je suis assis à RDP, je vais dire toujours, tu n'es pas content du RDP, change de parti. Un parti, c'est la rigueur et c'est la discipline. C'est comme ça. Moi, c'est ce qu'il voulait dire, Wafoué. C'est très important ce que vous avez dit. Et la discipline de l'ordre naisse de la formation. N'oublions pas de former nos militants. Et surtout, ça, nos militants doivent apprendre à être disciplinés. Quand l'éclaireur vous dit, regardez la qualité des émissions que nous tenons. Regardez la qualité des personnes que vous êtes. Et regardez la teneur des informations que vous nous donnez. Après une telle émission, si on est un individu sensé, on a un individu qui a du respect pour lui-même, on ne va pas aller regarder les vidéos des gars ou perdre 5 heures du temps sur les réseaux sociaux. Mieux vaut regarder un film chinois ou un film hindou plutôt que d'aller chez les gars ou bien s'intoxiquer sur les réseaux sociaux. Quand on a écouté l'émission de l'éclaireur, on a tout et tout, sincèrement, frère. C'est pas ce que vous recherchez. Moi, je n'appelle pas comme ça. Moi, si ce n'est pas dans ton émission, je n'appelle pas. Des fois, je suis qui te boulot sur la maison, je suis venu éviter d'entrer et essayer d'appeler. Et je lui dis chaque jour, quand ton excellent, elle n'est pas militante du RDP, elle est venue juste pour avoir peut-être le jour, elle aime l'argent. Je lui dis, toujours militant, ceux qui aiment l'argent ne viennent pas dans un parti. Effectivement. Un parti, on ne crée pas un parti pour être dedans. Quand je vois des gens même des cyberactivistes qui réclament l'argent au parti, je n'ai jamais vu ça au monde. Je n'ai jamais vu ça. Le parti petit, le greffe une émission, attends, on va le compenser. Mais quelqu'un va s'énerver pour dire tant que le parti ne donne pas l'argent, ils ne sont pas bien. Non, ceux qui s'attendent à de l'argent, c'est des gens. C'est des mercenaires, en fait. Les femmes qui vendent les médicaments, là, ils sont en train de traquer pour prendre les médicaments. Quand on les prend, elles sont en train de dire non, le président n'est pas bon. Attends, on vend des médicaments de canard, des médicaments qui sont moins chers. Et les gens, c'est quand la loi est finie, on dit non, le président n'est pas bon. On ne peut pas construire un pays avec une émotion. Il n'y a pas de problème. Comme on a atteint les 5 minutes et la liste est longue, c'est moi qui vous dis merci. Et il y a cette. Pour conclure ce que vous avez dit, et la loi s'applique à tous, il y a Drissa Zoulé qui dit ceci, même si l'éclaireur fait une mauvaise sortie, il ira aussi à la maca. Et oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que si je me permets de dire aujourd'hui que je peux inciter des gens à la haine, c'est mauvais. Mais quand j'incite des gens à aller réclamer leurs droits, le gouvernement lui-même ne veut pas se plaindre. Voilà, donc quand on fait ce travail, il faut être intelligent et il faut savoir comment faire pour respecter les normes de chaque État. C'est vraiment important. Ça, c'est normal. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, vraiment, merci beaucoup. Oui, oui. Et vous passez une très bonne soirée. Merci.
Donc, chers frères et sœurs, arrêtez, et ça depuis belle lurette, je vous l'ai dit, arrêtez d'écouter les gars ou arrêtez de regarder partout, vous n'apprenez rien. C'est non seulement une perte de temps, mais vous vous dévalorisez vous-même en le faisant et vous perdez votre temps. Oui, allô? Bonsoir, Madame Blanc. Bonsoir, éclaireur. J'espère que vous n'avez pas été patiente. Si. Parce que le maître des lieux m'a interpellé. Ah, d'accord. Et je lui dis bonsoir au passage. Ah. Ok. Bah, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le rôle du Sinagouien ou cousin en plaisanterie dans la société malinké. Effectivement. Donc, le Sinagouien est une intelligence trouvaille sociale de nos aïeux. Il a pour rôle de maintenir la paix et l'amitié entre les différents groupes ethniques du Nord. Les Maouka, Odieneka, Koyaka sont des cousins à plaisanterie de Senoufo. Lorsqu'il advient malheureusement des conflits entre Senoufo et Maouka, par exemple, et que l'affaire est portée devant les autorités locales, une solution sera trouvée immédiatement, suivie d'un dédommagement de la personne qui a subi un tort. Le Sinagouien est en fait un subtil mais efficace lien, une sorte de pacte de non-agression impliquant toutes les communautés du Nord. Au cours de la salutation entre deux personnes du Nord, il est d'usage de décliner son patronyme au Diamou. On dira par exemple au Diamou Douma. S'en suivra une série de railleries, par exemple un Fadiga et un Koulibaly. Une personne non coutumière du fait pensait assister à une subite dispute. Mais non, vous venez d'assister au scellement d'une amitié que rien ne viendra perturber par la suite. Ainsi se déroule la prise de contact entre deux Sinangos ou cousins de plaisanterie. Tel est le Sinangouya, belle richesse sociale, solide gage de stabilité entre les différents groupes ethniques du nord de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, éclaireur. Vous ne quittez pas? Oui. Vous venez d'évoquer le Sinankunya qui est un élément du Kourou-Kanfouka. Kourou-Kanfouka? Je ne connais pas. Ok, ça c'est la constitution qu'on a écrite en 1236. Kourou-Kanfouka? Oui, vous tapez, vous verrez. Ok. Et, oui. Et c'est l'un des articles que vous venez de dire. Et en plus du Sinankunya, il y avait aussi le droit que les petits-fils puissent jouer avec leurs grands-parents. Oui, il y avait aussi que dans la société, quelles que soient les inimitiés entre des corporations des individus, lorsqu'il y a mort d'homme, on doit tout pardonner pour faire les funérailles. Et le quatrième élément de cette constitution-là, c'était que il y avait le Noumogoya que vous connaissez. Et donc voilà un ensemble de lois qui avaient été mises là pour structurer la société au niveau familial avec le Noumogoya, au niveau société avec le Sinankunya, au niveau des rapports entre les différentes générations, entre les petits-enfants et les grands-parents, et ainsi de suite, et au niveau même des relations sociales avec les rapports de salutation lorsqu'il y avait des décès. Et donc, quand vous voyez des individus qui avaient réfléchi au XIIIe siècle et qui avaient fait ça, et qui seront agressés par l'Occident en disant qu'on veut venir sauver les sauvages, des gens sans culture, mais aujourd'hui, on se rend compte que l'UNESCO même s'est rendu compte qu'on a détruit les patrimoines de l'humanité qui auraient pu nous propulser à des niveaux plus éloignés dans les espaces. Et aujourd'hui, on se rend compte que les cultures qui ont été détruites, les cultures indigènes, soi-disant, ou bien les cultures des peuples, qui ont été colonisés. Et pourtant, il y avait une philosophie derrière tout ça. Justement. Et donc, aujourd'hui, quand vous évoquez ces facteurs-là, vous évoquez aussi une richesse non explorée des cultures culturelles, et même, je dirais même, à tous les niveaux de ces cultures-là. Et c'est à nous autres Africains de revenir en arrière et de prendre possession de nos valeurs culturelles. Justement. Parce qu'au XIIIe siècle, nous avions déjà des constitutions en Afrique et le Kourou-Kanfouka est l'ensemble de cette... Et c'est la septième version, s'il vous plaît. D'accord. Le Kourou-Kanfouka de 1236 n'est que la septième version. Ça veut dire que même au IXe siècle en Afrique, on avait une constitution, en tout cas dans le Mandé. Ok. Donc, il est très important que les gens se cultivent. Nous ne sommes pas des sauvages.
Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous sommes une culture qui est vaste parce que c'est l'éclatement de l'empire égypto-nubien qui nous a envoyés. Et donc, quand je parle d'une constitution, sachez que l'Égypte était régie par une constitution. Et donc, ce n'est pas un hasard quand je vous parle de constitution dans l'empire mondé. Ça veut dire qu'on sait d'où on vient et on sait ce qu'on a maintenu dans ces cultures-là. C'est vraiment très important. Et maintenant, si vous voulez savoir... Je vais lancer un message. Franchement, les auditeurs, venez écouter Éclaireur. Maintenant... C'est un enseignement, c'est une richesse, mais ce n'est pas assez. Venez écouter Éclaireur. C'est le meilleur, franchement. Maintenant, là où cette constitution-là, la 7e version a été écrite, elle existe bel et bien et l'endroit est protégé. Quand vous sortez de Bamako à 1 km, c'est bien protégé. Tout le monde peut aller vérifier. Parce que le clairon ne dit pas les choses dans le vide. Vous partez, vous demandez où a été écrite la constitution du Kouroukan-Fouga en 1236. Oui. On vous prendra par la main et on dira que c'est ici ça a été fait. Et donc, ça veut dire que ces personnes qui ont existé avaient réfléchi, étaient en avance sur leur temps. Et c'est aujourd'hui que l'UNESCO se rend compte que les cultures que l'Occident a détruites étaient ces cultures-là qui pouvaient nous permettre de sauver l'environnement. Étaient ces cultures-là, même dans le même Kouroukan-Fouga, il était interdit que quand vous devez couper un arbre, il fallait demander à la communauté si on vous donnait le droit de le faire. Et aujourd'hui, au 21e siècle, on nous parle de protection de l'environnement. Or, nous, au 13e siècle, on avait déjà tout ça. Et je vais vous donner un autre secret. Vous voyez, dans nos villages, on parle des génies. Les mauvaises personnes existent partout. Mais on vous parle de forêts sacrées. Vous savez ce qu'on fait dans les forêts sacrées? Non, ça c'est la culture sénoufo. Ça c'est la culture sénoufo. Oui. Mais je veux dire, dans toutes les forêts sacrées africaines, vous savez ce qui s'y passe en réalité? Non. La première fonction des forêts sacrées, c'est de garder un espace vert dans la communauté. Oui. Parce que si on maintient un espace au bord du village ou pas loin du village, ça va forcément créer ou attirer la pluie ou bien purifier l'air. Et déjà... Déjà, nos parents le savaient. On pensait à tout ça déjà. Et malheureusement, nous-mêmes, Africains, nous ne connaissons pas d'où nous venons et nous ne cherchons même pas à savoir d'où nous venons. D'accord. Et donc, c'est vraiment très utile ce que vous avez évoqué aujourd'hui. Donc, je viens de mentionner quelque chose qui était vraiment une richesse. En fait, je vais faire des recherches là-dessus et puis je crois bien que je vais enrichir. Je vais approfondir Je vais commencer des recherches. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Et vous passez merci une très bonne soirée. Éclaireur. Merci beaucoup. Franchement, merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Et donc, chers auditeurs, vous voyez un peu la nature des sujets que nous débattons ici. Nous parlons d'histoire. Nous parlons de géopolitique. Nous parlons de géostratégie. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont vous calmer. Et c'est pourquoi j'ai dit, les gars, faites beaucoup attention. La géopolitique est différente de la géostratégie. Parce que vous n'êtes pas allé loin à l'école, vous allez à c'est la même, c'est pas la même chose. Quand on va à l'université et qu'on dit qu'on est en anglais ou en géographie, on se spécialise. Et donc, il n'y a pas spécialité. Et on fait, comme je le disais ici, on parle de tout à la fois, de politique, religion, spiritualité, histoire et autres. Mais quand tu as fini avec ce bouillonnement intellectuel, pourquoi tu vas aller écouter un gore, un attardé mental, quelqu'un même du précambrien? Chers frères, respectez-vous et arrêtez. Respectez-vous. S'il vous plaît, honte à tous ceux qui pourront aller regarder les sites où ils n'apprennent rien. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Honte à toute personne qui ira perdre son temps. Ça veut dire que vous ne respectez pas votre temps. Vous ne respectez pas la chance que Dieu vous donne de pouvoir exploiter le temps qu'il vous donne pour apprendre. Partout où vous serez, donnez-vous une seule condition. Associez-vous à des gens avec qui vous pouvez apprendre quelque chose. Et défendre la vie humaine, c'est ça le plus important. Et donc, nous allons prendre les prochaines personnes qui viennent. Tout le monde sera pris et n'ayez point de crainte. Tout le monde sera pris. Et donc, après avoir vu la richesse d'une telle émission, faites attention. Si vous n'avez rien à faire sur les réseaux sociaux, évitez d'aller voir les sites où vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste sortir pour prendre de l'air ou faire du sport. C'est vraiment très important. Parce qu'à force d'écouter ce qui n'est pas bon, on devient bête sans s'en rendre compte. Bonsoir, monsieur Raoul. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Un instant, je vais arrêter. Voilà. Allô? Oui, on vous entend très bien maintenant. Oui. Voilà. Bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, merci.
En fait, tu vois, j'ai une question là. Dans le temps, vous avez lancé, on appelle ça, un projet de listing de cyberactivistes, oui. RHTP. Alors, je voudrais savoir où on en est, parce que je le demande parce que. J'ai fait le projet et j'ai le projet. Je vous réponds rapidement pour gagner en temps. Et jusque-là, le ministre de la Communication n'a pas encore accepté de me recevoir. Je préfère frapper, je préfère attaquer le couteau par le corps. Et jusque-là, le ministère, j'ai fait régulièrement une demande et le ministère de l'Information, je ne sais pour quelle raison, refuse de me recevoir. Voilà aussi simplement que ça. Moi, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas besoin de l'argent ou bien de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de leur grâce. Je veux qu'ils m'écoutent et si mon projet ne tient pas, mais qu'ils me le disent en face, c'est tout. Oui. Mais ils refusent de me recevoir, donc, voyez-vous. Mais j'ai d'autres possibilités. J'ai d'autres possibilités pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je n'ai forcément pas besoin d'eux pour pouvoir le faire. Voilà. Parce qu'il y a ma volonté qui est suffisante. Voilà. Ok. Ben ouais, c'est vraiment dommage qu'on en soit là tout le temps. On leur reproche ce laxisme là et. Le constat amer est que rien n'évolue dans ce sens-là. Selon moi, ma préoccupation, c'était pour rangérer un peu ce qu'il y a une intervenante qui est intervenue là où elle parlait du fait que ouais, les cyberactivistes ne se contrôlent pas un peu dans leurs propos. Je pense que si avec cette plateforme-là de cyberactivistes, RHTP, ça allait, en donnant une certaine ligne conductrice, ça allait permettre aux uns et aux autres de se tenir un peu sur la toile. Parce qu'on a toujours critiqué le fait que le gouvernement n'agit pas vis-à-vis des cyberactivistes, comme la dame l'avait dit. Parce que souvent, le gouvernement ne peut avoir l'intention d'agir, mais quand il voit le carnaval dans lequel il doit agir et que ses propres cyberactivistes tombent dans ce carnaval-là, ben, ça lui rend un peu la tâche difficile. Ouais, c'est comme si voilà, le gouvernement sera en train d'avaler après ses propres enfants. Et donc, ça met très dans une position assez adéquate le gouvernement d'agir. Donc, si cette plateforme-là pouvait voir le jour, afin qu'on puisse orienter les uns et les autres dans les sorties sur la toile, ce serait encore bon. Ben, et deuxième jour, moi, je vous. Voilà, comme je vous l'ai dit, de toutes les façons, on atteindra nos objectifs avec ou sans. Mais c'est parce que nous voulions respecter les règles de l'art et confier l'affaire à ceux. Mais il faut dire qu'il y a des bonnes personnes déjà qu'on a touchées avec qui nous pouvons aussi faire le travail. Et donc, on pourra avancer sans grand dommage. En tout cas, moi je vous encourage dans ce sens-là pour que cela voit le jour un jour et que voilà, vous mettez un peu de l'ordre au niveau de nos super activistes. Et vous voyez ce qui se passe sur la toile aujourd'hui pendant que d'autres acquiers. La condamnation des dames succès, d'autres par contre font des sorties pour désapprouver. Bon, voilà des choses qu'il ne faut pas du tout faire. C'est parce qu'il n'y a pas de méthodologie et d'organisation. Mais tout ça, nous saurions trouver des solutions, s'il plaît à Dieu, comme je l'ai dit. Vous savez que l'éclaireur ne parle jamais dans le vide. Je tiens de bon bout et vous pouvez être certain que le travail se fera. Ok. En tout cas, c'est bon à entendre, c'est ça. Voilà. En tout cas, donc, je vous encourage. Il n'y a pas de problème. Bon, allez, bonne continuation. À vous, pareillement, et merci beaucoup. Merci. Okay. Merci. Okay. Et donc, chers auditeurs, effectivement, essayons d'être beaucoup plus efficaces. Tous ceux qui ont appelé, vous serez pris. Essayons d'être beaucoup plus efficaces dans les 5 minutes afin de permettre aux autres de parler. Et je vous dis merci pour toutes les... pour tout l'engouement que vous donnez à l'émission. C'est vraiment très intéressant. Bonsoir Yann. Allô. Oui, comment ça va? Allô. Oui, bonsoir Yann. Allô? Allô. Oui, allô, bonsoir Yann. Oui, bonsoir mon grand oncle, comment tu vas? Oui, très bien, toi-même? Ça va. Dieu merci, ça va. Bah écoute, là aujourd'hui, ça plane très haut là. Effectivement, bonsoir. Effectivement. Tu as mis la barre. Personnellement, je ne doutais pas du tout que tu es un poids lourd. Tu es vraiment un poids lourd. Je te remercie. Je remercie aussi la sœur Machata Blanche qui a vraiment créé cette occasion-là. Pour d'entrée, j'aimerais aussi
passé, un grand messager de Dieu, un grand prophète, le Jésus, fils de Marie, qui disait, mon peuple périt. Par faute de connaissance. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis aujourd'hui, tout le monde se permet, avec quelques unités, de 50 francs, 100 francs, de s'égriger en cyberactivisme. Effectivement. Et ça, c'est vraiment dommage. J'ai écouté la sœur, bon, personnellement, je ne la connaissais même pas. Je te dis la vérité, je ne la connaissais pas. Moi, je ne connais que l'éclaireur, parce que je l'ai connu, j'ai connu l'éclaireur grâce à Dempsey. Je suis l'éclaireur parce qu'il nous permet d'éclairer nos esprits. Ça, c'est très important. Quand on est un peu sérieux dans ce qu'on veut faire, quand on se fixe des objectifs dans la vie, on ne peut pas se permettre de suivre des personnes qui se basent sur des rumeurs, qui colportent des rumeurs pour envenimer une situation sociale qui est quand même assez délicate par rapport déjà à certaines pénuries d'eau et d'électricité. Donc voilà, je veux dire, on décide de faire quelque chose parce qu'on estime qu'on le fait par conviction et surtout par bonne intention. On ne fait pas pour attendre des retombées, non. On vient, on aime son pays, on sert son pays, on aime son président, on fait les choses dans ce but. Donc vraiment, moi je t'ai dit, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert comme ça avec la situation qui se passe. Donc du coup, il faut qu'elle assume ses responsabilités, et il faudrait aussi que ça lui permette de réfléchir. Quand elle sera un peu en quarantaine, ça va lui permettre de s'éduquer déjà elle-même, avant de venir éduquer les autres. C'est très important. Parce que quand on t'écoute, on sait que tu n'as pas besoin de nous parler de ton cœur, de l'entité. Parce qu'on voit à travers tes dits, à travers ta cohérence et à travers vraiment les preuves que tu nous montres, tes sources, que vraiment on est. Voilà, là, tu as parlé de Kanfuka, la sœur a parlé du Sinanguya. Voilà, moi j'aimerais simplement ajouter aussi dans ce domaine-là. Aussi à lire chez Kantakio, Nation d'Agriculture, à lire comment ça s'appelle le peuple, Amadou Ambateba. C'est des personnes qui vont encore nous permettre de grandir. Bon, là, ça, les Goriens ont encore du boulot à faire. Vraiment. Ils ont encore vraiment une grande grande sur nous, parce que nous, on a l'éclairage. J'aimerais terminer. Avec les cadres. Moi, je dis, selon moi, un parti a une organisation pyramidale telle que la base, qui sont les militants, aide les cadres à atteindre le sommet. En revanche, les cadres qui sont au sommet doivent de temps en temps jeter un œil vers la base pour savoir si vraiment, parce que ce jeu pour dire que nous sommes comme les maillons d'une chaîne. Et donc, du coup, chacun a besoin de l'autre. Vous voyez, les briques pleines, quand on veut construire un mur, les briques pleines qui sont les plus lourdes sont toujours en bas. Donc, il faut que nos cadres aussi n'oublient pas là où ils viennent. Parce que pendant les élections, pendant les campagnes électorales, ils sont obligés de descendre à la base. Donc, du coup, ils doivent se servir de cela pour pouvoir, en fait, penser aussi de temps en temps à créer une symbiose entre eux, entre la base et le sommet. Voilà, c'est ça aussi qui fait la vie d'un parti. Il n'y a pas de Maintenant, problème. Le problème, selon moi, je pense qu'il y a un problème de formation, de base. Il y a un problème aussi d'organisation au sein du parti. On a toujours besoin des militants de base. Ça, c'est tout parti ne peut pas vivre sans des militants de base. Mais en même temps, je pense que l'organisation du parti, si l'organisation était vraiment bien
chacun suivra, et la ligne de conduite mise en place par je vais dire, par les deux entités, c'est-à-dire le sommet et la base. Moi, je ne suis pas un militant, je n'ai pas de carte de militant, je suis comme mon grand-oncle, un alassaniste. Je milite pour les biens, pour le bien du président. J'aime le président. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que nous sommes vraiment sur le réseau. Voilà. Mais l'organisation du parti doit être vraiment parfaite. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les militants de base sont en train de se plaindre, c'est parce que, quelque part, il y a un grain de sable dans l'engrenage qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de grognements de ci et là. Et ça, ce n'est pas bon pour la survie du parti. Je vais prendre le cas, par exemple, du Parti communiste. C'est un parti où on ne verra jamais ce genre de choses. Le Parti communiste chinois, je veux dire. Il faut mettre l'ordre de telle sorte que chacun de nous, essaie de savoir sa place. Parce que quand j'entends mon grand-père qui me dit qu'il était au pays, et qu'il y a certains cadres, certains ministres qui ont refusé de le recevoir, mais je n'arrive pas à comprendre. Honnêtement, pour moi, c'est trop fort. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que dans la vie, il y a une certaine logique. On ne peut pas avoir un diamant comme ça dans la main et puis le jeter comme si c'était une pierre banale. Voilà. Il n'y a pas... savoir que ce monsieur-là, même s'il est plus diplômé que moi, mais c'est moi aujourd'hui le responsable de mon ministère et je dois travailler avec des personnes compétentes. Lorsqu'on se dit qu'il a travaillé avec des membres de sa famille, mais ces membres-là, de la famille, c'est bien, il y a le côté affect, mais ils n'ont pas d'expertise. Et à la fin, on se retrouve avec quel résultat? J'aimerais m'arrêter là pour dire vraiment que c'est un peu dommage. Et puis, encore une fois, remercier mon grand-père par rapport à ses connaissances, surtout sur la culture malinké, la culture en fait mandé. C'est très très important. C'est très très important parce que tu as dit quelque chose. Aujourd'hui, on nous bassine un peu partout dans les médias internationaux, aussi, l'écologie, l'environnement, tout ça. Mais c'est des choses. Quand on était maçon, on vivait ça. On le vivait. Donc, du coup, voilà, c'est pas nouveau pour nous. Moi, parfois, quand je vois aujourd'hui qu'on fait des projets sur l'environnement en Europe, je me dis, mais de quoi on parle? C'est des choses, quand même, que nous, on a vu nos parents le faire. Voilà, que ce soit au village, que ce soit en ville, on a vu nos parents le faire. Donc, c'est pas nouveau pour nous. C'est pas nouveau pour nous, mais il y a derrière, bon ça c'est encore un autre débat, parce que je pense qu'il y a derrière ça une grosse manipulation qui est mise en place. Je vais pas rentrer dans ça, on peut être un jour, grâce à la voyance de notre éclairage, on aura l'occasion d'en débattre. J'aimerais vraiment vous dire merci pour tout, et puis bon, voilà, on va essayer vraiment de tout faire pour que les choses aboutissent, pour l'intérêt national et l'intérêt continental. Okay. On arrive aussi à notre grand maître qui est rentré hier de son voyage avec beaucoup de belles perspectives. Et vraiment, on prie encore Dieu pour lui, pour qu'il ait vraiment la force et la capacité, ainsi qu'à sa chère et tendre épouse, notre maman, de vraiment tenir le cap d'une alliée et voir. Merci l'éclaireur, merci à tous les frères. C'est nous que vous disons merci et passez une excellente soirée. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Donc, chers auditeurs, nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement avec les dernières personnes restantes. Et sachez que tout le monde est là et vous serez pris. Mais on ne va plus en ajouter de nouvelles personnes, compte tenu du temps qui est déjà passé. Et nous vous disons extrêmement merci pour tous les efforts que vous faites et l'amabilité dont vous faites preuve à notre égard. Ça nous va droit au cœur. Et il y a Mouna Kanté qui dit, Yann, tu as souvent de très bonnes interventions, mais tu parles pas fort. Dommage, n'est pas. Et il y a le chef de classe qui renchérissait pour dire que
Tant que le chef de l'État est dehors, Yann parle fort, mais quand le chef de l'État revient, il ne parle pas assez fort. C'était une note de plaisanterie, mais sachez que nous sommes des frères ici et tout est au mieux. Et donc, point de crainte. Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, ok. Bonsoir à toi et bonsoir à toute la classe. Oui, on vous salue les mêmes aussi. Vraiment, encore merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Ok. En fait, je vais droit au but pour les sujets que tu as pu énumérer aujourd'hui. Moi, je vais commencer par la vision du chef de l'État, la classe, la classe, vraiment le pouvoir du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui, à chaque fois qu'il prend une décision, c'est toujours la bonne. Il continue de nous rendre cette fierté-là. Il continue de nous mener à bon port. Vraiment, il a notre soutien total. Donc, moi, à chaque fois qu'on s'attaque au chef de l'État, vraiment, ça me fait très, 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 très mal, parce que ce monsieur, par sa connaissance, sa vision, il est en train de te montrer qu'il a de l'amour à donner à la Côte d'Ivoire. Effectivement. Il a le pouvoir et voilà, il met tout le monde sur le même pied d'égalité et il continue de bien mener le pouvoir. Maintenant, mon second thème, c'est cette nouvelle race ivoirienne qui se réjouit du malheur qui s'abat sur la Côte d'Ivoire, qui souhaite chaque jour que la Côte d'Ivoire soit mal, c'est-à-dire qu'a été fabriquée par Laurent Gbagbo. Cette nouvelle classe a été fabriquée par Laurent Gbagbo, des gens sans foi, des gens sans mérite, des gens remplis de haine, des gens égoïstes et ensuite criminels. Vraiment, il faut que nous luttons pour enterrer rapidement cette nouvelle race, fabriquée par Laurent Gbagbo. Vraiment, le combat est le bienvenu. Il faut que nous continuions de sensibiliser les Ivoiriens, d'abandonner ce chemin parce que Laurent Gbagbo nous a fabriqué des démons. Vraiment, c'est le mot que j'ai trouvé. Et là, je vais t'effacer un peu par rapport à hier. Il y a un intervenant qui est intervenu hier qui a dit que les ministres, c'est vrai, les ministres doivent être à l'écoute de la population. Mais pour dire que les ministres doivent, le président doit rendre compte au président qu'ils ont mis tel ou tel. Et ils ont pu. Et donner de l'argent à tel ou je ne puis scolariser tel, et voilà, tel nombre de personnes qui l'ont pu scolariser, je crois que le ministre, c'est pas pour cela, c'est vrai. Les ministres peuvent le faire, mais on ne peut pas demander au chef de l'État de juger un ministre en fonction de ses actes-là. Un ministre n'est pas, il a sa famille, il a son salaire, c'est vrai, il a un budget, mais il va en mission pour le gouvernement. Le président envoie le ministre en mission pour la République. Ce ministre-là, s'il a encore de la possibilité pour aider des familles, il peut le faire. Mais on ne peut pas exiger au ministre de scolariser des familles, de donner de l'argent à tel. C'est vrai, il y a des programmes pour la jeunesse. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là pour dire que le ministre, son rôle, c'est d'exécuter un programme que le gouvernement ou le président n'a plus lui a confié. Il n'y a pas de problème. Vraiment, maintenant, pour cette occasion que tu nous donnes. C'est mon intervention ce soir. Bonsoir à toi et à toute la classe. Vraiment, c'est toujours un plaisir que de vous avoir. Et vous avez été très efficace dans la gestion du temps. C'est nous qui vous disons merci. Et surtout, ce que vous avez dit, ce sont vos avis. Et c'est vraiment ça. Parce que ici, apporter son idée, c'est la chose la meilleure. Et chacun peut aussi continuer la réflexion intellectuelle. Et vous êtes bienvenu sur cette plateforme à tout moment et à tout lieu. C'est nous qui vous disons merci. En tout cas, tu nous as donné l'occasion et merci à toi. Surtout à toi qui fais l'effort de pouvoir concocter tout ça, vraiment. Du courage à toi. Merci. Et puis voilà, le combat est dans le bon sens. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à vous. Ok. Et à toi et à toute la classe. Ok, merci beaucoup.
L'empereur Ali dit ceci, le président montre que le pouvoir n'appartient Allô? pas à un candidat. Ok. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va très bien chez vous. Oui, c'est vraiment un plaisir et ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Tout d'abord, j'aimerais saluer toute la classe. Merci beaucoup. Bon, je voulais seulement vous dire que je suis très heureux ce soir de voir que la justice a enfin pris la décision de lutter contre l'injustice par la décision qui a été prononcée hier contre cette dame-là, cette activiste. Et par quoi, c'est dans notre maison que ça commence, à la maison que ça commence. Vraiment, je suis très, très content ce soir, quoi, qu'on commence à quand même à lutter contre l'impunité. Vraiment, c'est ce que je voulais vous faire, chose, vous faire partager ce soir, c'est tout. N'y a pas de Donc, problème. c'était mon. Oui, je suis très content ce soir que ça soit, que la justice soit faite, quoi, N'y a pas et de qu'on ait problème. commencé quelque part. Effectivement, il faut bien commencer C'est quelque ce que je part. voulais dire. Merci à Oui, il vous. faut bien commencer quelque part. Et Effectivement. surtout à la maison, parce qu'il faut pas se. Là, les opposants comprendront que désormais, la justice, ça marche. Et que s'ils font une gaffe, on pourra les mettre au niouf, comme on le veut. Donc, comme la justice le veut, quoi, je veux dire. Donc, vraiment, c'est très, très important de commencer quelque part. Vraiment, c'était mon intervention de ce soir. N'y a pas de problème. Éclaireur. Vraiment, merci beaucoup. OK. Et Merci. c'est nous qui en sommes ravis. Et nous Oui. vous disons extrêmement merci. Et passez une très bonne soirée aussi. Merci à vous. OK. Merci. À vous également. Merci Bon enfant. beaucoup. Et bien des choses à toute Bonne ta soirée. famille. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Créner. Bonsoir, monsieur Miezan, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ah, Dieu Et chez merci. vous, alors, Oui, ça je va. salue toute la classe. Oui. J'ai deux questions. N'y a pas de problème. L'autre, c'est question. L'autre, c'est participation. Ok, n'y a pas de problème. Je demande, il y a un compte YouTube qui est RHDP quoi là. Je ne sais pas pourquoi on met pas ton émission là-dessus. Moi-même, je ne sais pas. Et bien, de toutes les façons, je crois que nos émissions vont plus loin que nous ne l'espérions nous-mêmes. Et ils ont, je ne sais pas la première fois, et je me mets à les interpeller. Mais peut-être comme je ne suis pas peut-être quelqu'un qui... Je me dis ça, c'est ce que je pense. Hein. Peut-être qu'il y a il y a des critères qu'il faut et peut-être que je ne respecte pas ces critères-là. C'est ce que je me dis. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est la qualité du message qui doit être d'abord importante. Et en matière de qualité du message, les uns et les autres peuvent apprécier ce que nous faisons. Et je crois que si les critères étaient basés sur le message pour essayer d'éduquer et d'informer le peuple, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas me permettre d'y participer. Oui? Oui, on vous écoute, nous vous écoutons. Pourquoi je demande ça? Parce que c'est à cause de toujours Zasso et puis mes seigneurs pas que je suis là. Parce que la fois passée, j'ai vu les conneries qu'on appelle, comme on appelle, Zeke Pequeño, quoi là, l'émission là-bas. Bon, moi, si j'ai envie de regarder, ou bien j'écoute, quand j'écoute Monsieur Aladji au Zasso, tous les gens de corps et comment là, les vidéos là, c'est là-bas, moi je regarde. Par exemple, sur ce qu'il dit, faut pas, vous allez regarder, faut pas, on va regarder sur les corps. C'est vrai, ceux-là, c'est des conneries, ils racontent n'importe quoi. Donc, je vous demande pardon, les classes, faut pas vous aller suivre les gars comme ça là. Moi, là, à travers Zasso ou bien à travers là, que je vois ces gens de vidéos là. Donc, si ça n'en tient qu'à moi seul, c'est mon avis à moi-même, moi seul. Hein.
essayez de voir. Faut pas vous aller écouter les corps et les soroïs. Ça vous trouve la tête, ça vous met les choses dans la tête. Je vous en prie beaucoup, les gens de la RHDP. Donc c'est mon intervention, ça. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis très heureux de vous avoir eu. Et sachez qu'ici, oui, c'est votre maison. Et à n'importe quel moment, vous pouvez appeler et donner vos avis. C'est vraiment important. Oui, oui. Vous passez une très bonne soirée. À vous, pareil. Ok, merci beaucoup. Okay. Donc, nous avons essayé quand même d'appeler les uns les autres. Et pour certaines personnes, malheureusement, peut-être qu'elles ont dû quitter. Et donc, on a quand même essayé, comme c'est, ça fait partie de nos habitudes, une fois que vous placez votre appel, il n'y a aucune raison qui va nous empêcher de vous prendre. Et ceux qui ont été appelés déjà pourront constater que nous leur avons retourné leur appel. Et c'est avec beaucoup de joie que nous mettons tout le monde au même niveau. Et donc, ces personnes-là peuvent se faire fort de rappeler. Et si la possibilité existe de leur côté, et nous essayons toujours de respecter la ligne, le premier venu sera toujours le premier servi. Voilà. Et donc, j'espère bien que dans d'autres occasions, ces personnes auront le temps de pouvoir rappeler. Allô? 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 Oui, bonsoir l'éclaireur. Vous avez des difficultés, vous avez mis sur la vidéo, vous n'allez jamais pouvoir me voir. Ça, c'est ce que je veux vous dire dans un premier temps. Et c'est moi qui vous rappelle, essayez de suivre les instructions, c'est vraiment très important. D'accord, j'ai bien compris. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok. Comment va la famille? Et vous-même? Je vais extrêmement bien. Dieu merci. Tout le monde va bien. Dieu merci. Et vous êtes en face du peuple et vous êtes en direct actuellement. Et oui. Est-ce que vous avez des questions ou bien des avis à donner sur toute l'actualité politique ou bien même en dehors de l'actualité politique? Ici, on évoque tout, que ce soit la géopolitique, que ce soit en termes d'information. On évoque tout. On évoque tout véritablement. Eh bien, j'ai un avis à donner. Il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir que nous vous écoutons. Oui. D'abord, je voudrais vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Je tiens à vous dire que depuis le présidentiel, je vous suis. Je ne vous ai jamais appelé, mais très franchement, je vous trouve excellent. Depuis que vous, vous êtes apparu, les données ont changé et je crois que la vérité est en train de sortir. Effectivement. Le monde entier se rend compte de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé. Et ça, c'est grâce à M. Leclerc. Monsieur Leclerc. Donc, je vous en remercie, je vous félicite. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris que, enfin, j'ai écouté M. Afipin Gueysan. Il disait que le président de la République devait arrêter d'emprisonner les gens, ceci, cela. Je ne sais pas s'il craint son sort. Parce que, en réalité, lors des présidentielles, il a joué un rôle majeur. Il a incité la population ivoirienne à sortir avec des bordels, des machins, des liens, des mots. Nous savons, on ne va pas revenir là-dessus, mais nous savons ce qui s'est passé. Par la suite, le président lui a tendu la main. Si ce monsieur, jusqu'à présent, continue d'énerver le peuple, je pense que
La justice, telle que le président de la République a dit hier, doit se faire et très vite. La justice doit vite faire son travail. Effectivement, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin des va-t-en-guerre. Nous sommes fatigués. Effectivement. Nous avons, le président de la République a donné une vision. Nous sommes sur le chemin. On n'a pas besoin de ceux qui n'ont pas envie d'évoluer dans cette Côte d'Ivoire qui est en train de se dessiner. Donc, je voudrais vous remercier et prier Dieu que vous ayez une longue vie, la santé, afin que toute la vérité cachée par les corps, les propres babos et autres ressorte, réjaillisse à la lumière. Et ceux qui ont été victimes soient heureux pour l'instant de leur vie. Effectivement. Vraiment, c'est ce que j'avais à ajouter. Je vous remercie. C'est moi qui vous dis extrêmement merci, M. Camara, et sachez que nous serons déterminés à dire notre part de vérité dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'humanité, afin de ramener la vérité là où elle doit exister, et de dire aussi, là où il y a du faux, de pouvoir toucher du doigt et de dire que cela est contre le droit humain fondamental, et c'est ça aussi qui est important, et c'est nous, surtout à travers vous qui aimez la vérité, vous nous confortez à continuer ce que nous devons faire, c'est à vous que les remerciements reviendraient. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci à vous. Merci. Merci. Donc, finalement, nous avons pris presque tout le monde et il reste maintenant le roi qui voulait renchérir. Et là, je vais donner au roi 2 minutes et nous allons faire du conquérant la dernière personne qui va intervenir. Et donc, je vais demander au roi de prendre 2 minutes pour essayer d'être très efficace dans ce qu'il veut dire. En temps, il faut dire qu'il y a Kadi Diallo, la plus belle de Paris et de New York, qui remerciait le roi du printemps. Oui, le roi, je peux vous donner 2 minutes. Ça peut aller? D'accord. Oui. Ok, ça va. Ok. Okay. Je peux commencer. Oui, je vous donne 2 minutes pour que les autres puissent passer et donc aller droit au but. Et en deux okay. minutes, oui. D'accord. Ok. Bon, je reviens pour dire la décision du président, c'est à plusieurs niveaux, à plusieurs volets. Hein. Donc, comme les uns et les autres l'ont dit, ça a commencé à la maison. Ça c'est déjà la première des choses. Qu'on peut tirer comme déjà une conclusion. Ensuite, le président, en faisant ce acte, veut aussi montrer aux opposants que vraiment plus rien ne sera toléré. Ça fait la deuxième chose. Mais là, la troisième chose, la plus importante, le président vient, sur ce coup-là, donner une leçon aux autres chefs. Moi, j'ai fait à moi, à mes enfants. Donc, c'est à vous de prendre l'exemple, de prendre le taureau sur l'école. Quand il y a une situation pareille, vous devez sanctionner aussi. Et donc, je pense que c'est une belle leçon que le président vient de donner à ses homologues président. Okay. Donc, chacun doit jouer son rôle qu'il a de voler. Donc, si par ces actes-là, ça peut ramener à oser aux autres de changer de comportement, je pense que c'est déjà bien. D'accord. Donc il faut féliciter le président. En même temps, c'est une leçon qu'il donne aux autres chefs d'État de la CEDEAO. Donc c'est ce que je voulais dire. Enfin, c'est nous qui vous disons merci d'avoir été efficace et d'avoir respecté le temps. Et sachez que la valeur d'un grand homme n'existe que dans les exemples qu'il donne. Et Alassane Ouattara a toujours donné des exemples qui nous ont grandi et qui nous ont amenés vers la grandeur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et déjà, nous avons expliqué tous les tenants et les aboutissants. Et nous avons expliqué aux uns et aux autres qu'au-delà même de l'aspect intérieur de la politique ivoirienne, il y a ce qu'on appelle la diplomatie et les rapports entre les États. Et le problème, aujourd'hui, pouvait créer un incident diplomatique. Imaginez-vous aujourd'hui que les Nigériens se lèvent pour dire « Bon, moi, tu es aussi les Ivoiriens. Est-ce qu'on sera content ?» Ça, c'est les représailles, c'est pas bon. Et donc, ça va pourrir les relations diplomatiques entre les deux pays. Alors que ce que les gens oublient, j'ai parlé de géopolitique et de géostratégie. De façon stratégique, aujourd'hui,
La Côte d'Ivoire est importante dans le dispositif de la lutte contre le terrorisme. Mais n'oublions pas que le Niger aussi est extrêmement important dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, je vais vous dire un cas. Est-ce que vous savez que l'année dernière, il y a un détachement des terroristes qui descendait pour venir attaquer Abidjan? C'est le Niger qui nous a aidés? Effectivement. Et donc, quand les gens parlent, les gens sont dans les sentiments. Mais il y a de la stratégie globale qui est aussi importante. Il faut en tenir compte dans la gestion du monde. On n'est pas là pour gérer les sentiments. On est là pour gérer les affaires d'un État. Il faut que nos militants comprennent cela. Et c'est à cela aussi qu'il faut dire que nos militants doivent commencer eux-mêmes à s'inculquer la formation politique et la compréhension de la politique. C'est vraiment très important. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter sur ce que vous avez dit. Okay. Donc, nous vous disons extrêmement merci beaucoup. Oui. Et donc, nous allons prendre le dernier auditeur, mais bizarrement, il y a quelqu'un qui a appelé, le frère Drissa. Et de façon exceptionnelle, avant de prendre Sunyata, je vais lui donner 2 minutes parce qu'il n'était pas dans le plan. Mais puisqu'il a déjà pu appeler, nous allons nous faire fort de le prendre. Et donc, pour qu'il soit vraiment très efficace. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Voilà. Et donc, chers auditeurs, pour ceux qui ont appelé, on ne va pas continuer à improviser. Je vais vous donner 2 minutes. On vous entend très mal. On vous entend. Chers auditeurs, s'il vous plaît, quand vous voulez appeler, prenez les dispositions pour faciliter la tâche à l'éclaireur. Surtout que c'est des conditions où on est obligé de faire avec. Bonsoir, maman. Allô? Donc, nous allons passer aux derniers auditeurs. Comme je le disais, il est aussi très important de prendre les dispositions afin qu'on puisse aller plus vite. Monsieur, on ne pourra plus vous prendre. Parce que le temps qui vous avait été dévolu va jouer aussi sur moi-même mon propre temps. Et je me faisais fort de sortir en dehors des règles que je voulais. Et certainement que demain sera un autre jour où vous pourrez passer. Nous le disons chaque fois, il est important. Moi aussi, il est difficile pour moi de prendre les conditions pour pouvoir bien encadrer l'émission. Et il est aussi important que vous puissiez quand même faire la même chose à votre côté. Oui, bonsoir, le concurrent. Oui, bonsoir, cher frère. Okay. Est-ce qu'on peut vous donner, en 10 minutes, est-ce que vous pourrez tout conclure de ce que vous voulez dire ce soir? Oui, 10 minutes, ça me va. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes lancé. Alors, aujourd'hui, je voudrais intervenir sur 2 à 3 aspects. Mm-hmm. C'est d'abord, comme on appelle même, au niveau de l'insécurité, je voudrais parler de l'insécurité dans la sous-région, le djihadisme. Je voudrais également parler du terrorisme. Et puis, il y a aussi le retour de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les gens ont eu à marcher. Et puis, en même temps, l'immigration clandestine. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par l'immigration clandestine. Comme j'ai eu à le dire la dernière fois, ici en Côte d'Ivoire, il y a des réseaux clandestins qui sont connus pour faire des voyages depuis les villes d'Italoa pour aller vers les pays voisins, passer par le Burkina, emprunter les routes du Niger, par les du désert, en passant par le Niger, pour aller vers la Libye, ainsi de suite. Ce que je veux dire, il faut qu'une bonne fois pour toutes, vraiment le gouvernement prenne ses responsabilités pour agir. Éclaireur, ceux qui font ce trafic-là, ils sont connus, je vous le dis. Si on mène des enquêtes sérieuses, ils sont connus, ils vont être attrapés. Le moment est venu vraiment, le problème qui est arrivé malheureusement, il est venu certainement pour résoudre un autre problème. Vous savez, rien n'arrive par hasard. Moi, je suis en train d'insister pour réinsister. Je vous dis qu'il faut qu'on démantèle totalement les réseaux qui organisent les voyages de l'immigration clandestine depuis les villes de Côte d'Ivoire pour aller dans les pays voisins, passer par les 10 déserts. La dernière fois, vous avez vu ce que certains ont eu à dire. Il y a des gens qui sont morts dans le désert, leurs parents ne savent pas.
Il y a des passeurs heureux qui ont escroqué des gens. Tout ça, ça n'arriverait jamais si on acceptait de rester sur place. C'est vrai, la situation est certes difficile, comme on le dit, mais moi, je pense qu'il faut éviter d'emprunter les chemins de la mort. C'est très dangereux. Donc là, vraiment, je demande avec insistance au gouvernement de mener des enquêtes sérieuses pour démanteler les réseaux qui organisent les voyages d'immigration clandestine, passer par les déserts, aller en Libye, et prendre les bateaux d'infortune pour se retrouver vraiment en Europe pour mener des vies et des galères. C'est vraiment pas joli à voir. Moi, honnêtement, je n'aimerais plus voir d'Ivoiriens dans cette situation-là. Ça me désole. Je ne veux pas. Je ne veux même plus même en entendre parler même. Et je pense que à l'heure où la Côte d'Ivoire est positionnée, ce n'est vraiment pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. En plus de ça, ce que je voudrais dire aujourd'hui au niveau du djihadisme, l'insécurité, vous savez, les pays échangent, s'échangent les informations, c'est ajusté certainement que le ministre de la Défense, il a eu à Séoulou au Burkina, au Mali. Mais il faut dire qu'il faut que ces pays-là fournissent beaucoup plus d'efforts pour démanteler les réseaux terroristes-là. Il faut qu'au niveau de la CEDEAO, vraiment, les gens se réunissent pour prendre des décisions courageuses. Annuler définitivement, sinon combattre le djihadisme. Il faut le combattre férocement. Le djihadisme, okay, il est à combattre. Il y a pas de... Vous avez déjà... Il consiste à passer par les voies du désert. C'est à combattre également. En cela, regardez le Tchad. Le Tchad, quand vous prenez l'indice de développement humain du Tchad, c'est un pays qui est très pauvre. Mais voyez combien de fois ils vont au four et au moulin, rien que pour préserver la sécurité, l'intégrité de leur territoire. Jusqu'à ce que le président de la République, même, il est allé mourir au front. D'autres ont dit que c'était bien fait pour lui. Bon, ils ont des raisons de le dire, mais qu'ils réfléchissent pour se dire combien de fois ce monsieur s'est sacrifié pour empêcher la croissance des activités djihadistes autour de son pays ou bien dans son pays. Combien de fois il s'est sacrifié? Est-ce que tel que les Tchadiens se battent, si les autres pays se battaient comme ça, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? On peut nous évoquer le problème des moyens, mais là, je m'inscris en faux. Le Tchad n'a pas grand moyen, mais les Tchadiens se battent jour et nuit, l'armée tchadienne se bat. Il faut que l'armée malienne se batte, l'armée du Burkina, l'armée du Niger. Il faut que les gens se battent vraiment pour arriver au bout de ces terroristes-là. Sinon, je vous jure qu'un jour arrivera où on ne pourra même plus se déplacer dans la CEDEAO. C'est une menace très sérieuse. Et pour revenir au cas ivoirien, il faut vraiment que les frontières de l'Ouest soient surveillées comme de l'air au feu. Et je sais de quoi je parle. Les frontières de l'Ouest doivent être surveillées comme du lait au feu. Les villes frontalières au Libéria, principalement. Les villes de Diankouma, les villes de Danané, Benoué, Zouaoué, il faut que les gens soient assez vigilants. Il faut que les gens soient assez vigilants. Il revient aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. On est sur la place publique, je n'ai pas à dire certaines choses, mais il faut que les gens soient suffisamment vigilants. Les villes de l'Ouest, il y a assez d'insécurité. Il faut que les gens fassent quelque chose. Il y a 2 ans de cela, j'ai failli périr à l'Ouest par des coupeurs de route. Nous avons vécu ça à l'Ouest. Vraiment, il y a l'insécurité. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est très important. Il y a les coupeurs de route. Il y a des gens qui font des trafics d'armes. Il faut que les gens soient vigilants pour demander les services. Au niveau aussi de la frontière, que ce soit la frontière malienne ou bien du Burkina, il faut que vraiment les gens déploient encore, comme j'ai eu à le dire, la technologie militaire. C'est très important. C'est très important. Vraiment, on ne pourra rien faire sans la sécurité. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant. Maintenant, pour terminer, il y a des victimes qui se sont manifestées aujourd'hui à Borboué. C'est un acte salutaire. Moi, je dis, Laurent Gbagbo, il n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Je vais le dire haut et fort à qui veut l'entendre. Il n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Déjà, il a annoncé qu'il vient. On voit combien de fois les tensions sont en train de monter. Cet homme-là, il n'apportera rien. Il ne connaît rien à part la violence. Il ne sait rien faire. Il n'a pas appris à créer du travail. Il n'a pas appris
a créé de la providence, de la richesse, il ne connaît rien à part mélanger. Donc moi, je pense que vraiment, il faut qu'un appui soit donné au niveau du gouvernement ou bien au niveau du RHDP pour que vraiment les gens se mobilisent. La mobilisation, on en a besoin. La répétition est pédagogique, je le dis toujours, je le répète. Il faut vraiment mettre les militants en ordre de bataille parce que ces gens-là, ils n'ont rien en tête à part le rapport de force. Je vous ai dit, quand ils disent réconciliation nationale, c'est très simple. Dans leur tête, ça veut dire le président de la République doit quitter le fauteuil présidentiel pour que ça s'asseye, pour venir manger avec les deux mains, louer les belles voitures, chercher les femmes et dilapider l'argent de Côte d'Ivoire. Voilà tout ce qu'ils ont en tête. Ils n'ont rien d'autre en tête, hein. Moi je vous le dis clairement. Il n'y a rien d'autre en tête à part les bêtises. Donc cet homme-là, il faut vraiment se lever contre lui. Parce que jusqu'à présent, selon eux, ici, ils n'ont jamais imaginé, ils ne se rendent pas compte du tort qu'ils ont eu à causer aux gens. Pour eux, ils n'ont rien fait. Vous avez même vu comment est-ce que ces partisans narguent les gens, comment est-ce qu'ils font des bêtises sans remords. Ces gens-là, nous n'avons pas besoin d'eux ici. Il faut qu'ils se débrouillent ailleurs. En Côte d'Ivoire, personne n'est en guerre. Personne ne s'est levé qui n'a pas eu à manger. Non, il n'y a pas ce problème-là. Voilà, on est en paix, on va au travail. Les problèmes d'électricité, d'eau, potable, qui sont là, seront résolus. Dieu merci, il a commencé à pleuvoir. Voilà, on va encourager le gouvernement à accélérer les projets de développement dans le domaine de l'électricité pour qu'on ait du courant de façon ininterrompue. Ok. Voilà. Que c'est voilà vraiment... ce que je voulais dire. Okay. Vraiment, il faut que les autorités nous écoutent. Quand nous parlons ici, c'est vrai, nous ne valons rien. Mais quelque part, on voit des choses. De la position où nous sommes, même si nous ne sommes rien, qu'ils prennent le temps de nous écouter. Voilà, parce que les militants qui se battent jour et nuit pour défendre l'intégrité du pouvoir, pour défendre le président de la République, sans toutefois jamais rien avoir en retour, même si on pense qu'ils ne sont rien, il faut que quand même on prenne le temps de les écouter. Il n'y a pas de problème. Parce que ce sont eux qui se sont battus. Okay. Jour et nuit, qui ont été au four et au moulin pendant que les opposants voulaient créer la chienlit dans les pays en octobre dernier. Ce sont les militaires RHDP d'abord qui ont défendu ce pouvoir okay. pour que nous le conservions. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, nous devons réfléchir. Il n'y a pas de problème. Les 10 minutes que je vous avais assignées, on a au-delà du temps et il y a l'impératif aussi qui est vraiment important. Et donc, voilà. Je crois que la base de ce que vous aviez à dire a été déjà énoncée. Et c'est vraiment un véritable plaisir. Et c'est okay, nous qui vous disons merci. Oui. Merci beaucoup. Okay. Excellent. Ok, à vous pareillement. Et donc, il y a Alassane Kone qui demandait « Bonsoir éclaireur, je voulais savoir qui est l'auteur de la vidéo qui a fait le dégât. » Et effectivement, avant Success, il y a quelqu'un qui a eu à faire une vidéo où la personne parlait dans le même sens et Success n'a fait que la mauvaise surprise de pouvoir relayer le message. Et donc, cette personne-là, sachez que la vidéo est parue le jour où il y avait le procès des Soroïstes. Et donc, c'est les cellules de désinformation de M. Kibafori, Guillaume Sori et Soro qui ont fait cela. Il n'y a l'homme d'aucun doute là-dessus. Et cette vidéo existe encore, c'est la voix d'un homme que vous pouvez écouter. Et donc, c'est la réponse que je pouvais donner à votre question. Et de façon exceptionnelle, il y a 3 personnes qui ont appelé, vu que vous n'étiez pas sur la liste, et c'est pourquoi nous disons aux auditeurs, appelez en avance. Quand c'est comme ça, ça me permet de m'organiser dans le temps. Mais quand on sort du temps, ça devient vraiment très difficile pour moi, parce que ça désorganise tout, et ça me perd aussi en temps. Il y a 3 personnes qui ont appelé. Je vais leur donner exceptionnellement 2 minutes chacun pour dire exactement la base de ce qu'ils ont envie de dire. Et puis, on va conclure. Ça sera vraiment très important si ces personnes-là sont encore là. Si vous, véritablement, vous voulez appeler, dès le début, placez votre appel pour qu'on puisse savoir déjà comment cadrer l'émission. Mais à la dernière minute, appeler, ça devient de l'improvisation et ça devient extrêmement difficile pour moi. Et donc, c'est des choses qu'on ne va pas toujours encourager et de façon exceptionnelle. Si vous êtes là, vous avez insisté, je vous appelle, vous ne prenez pas maintenant. Je crois que ce n'est pas intéressant, M. Drissa Traoré. Voilà. Vous avez insisté à ce que je vous prenne. Maintenant que je vous appelle, vous n'êtes pas disponible, je vous remercie.
allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu merci. Ok. Est-ce que vous pourrez être efficace pour énoncer en 2 minutes? Ok. Je voulais intervenir. Bon, d'abord, je salue tout le monde, toute la classe. Je voulais intervenir sur le fait que la dame, la sœur Massiata Blanc, la recherche qu'elle a faite sur les je ne sais pas comment dire ça, culture, en fait, je ne parle pas très bien français, sur la culture, donc ça m'aurait fait plaisir si on parlait plus de toutes les ethnies au lieu seulement que les Djoulas. Vous voyez que vu qu'on est dans une situation de un peu délicat, donc pour ne pas faire de distinction, si on pouvait parler de tout. Franchement, toute la culture ivoirienne, quoi, ça l'a enrichi encore plus. Il n'y a pas de problème. Je crois que c'est une belle remarque. Et il y a quelqu'un même qui avait fait cela en privé. Donc, chers auditeurs, nous vous disons merci beaucoup et merci pour toutes les belles interventions. Et c'est toujours un plaisir que d'être avec vous. Et s'il vous plaît, l'éclaireur est un homme de méthode. Et si vous voulez appeler à l'émission de l'éclaireur, s'il vous plaît, nous en avons pour au-delà de 2 heures du temps. Vous devrez savoir que c'est organisé de façon séquentielle et graduelle. Et une fois que vous appelez à la dernière minute, vers la conclusion, il devient quasiment impossible de vous prendre. C'est vrai que ce n'est pas plaisant, ça vous frustre, mais sachez que ça cause de larges désagréments à mon côté. Et surtout, quand je vous rappelle de façon exceptionnelle, après les insistances que vous ne prenez pas, je crois que ce n'est vraiment pas une marque de respect mutuel. C'est ce que je revis et que je vous dis directement, parce qu'il n'y a pas à se mentir. Si vous saviez que vous ne voulez plus parler, vous auriez pu me dire, c'est suffisant pour la prochaine fois. J'aurais aimé que ce soit quelque chose de direct. Et donc, ceux qui veulent appeler dans l'émission, dans les 1 heure du temps, on a 30 minutes pour présenter l'émission. L'émission se déroule en 1h30 du temps. Et donc, vous avez toute la latitude de pouvoir poser ou bien de faire votre avis pour poser votre question avant, dans les 1 heure du temps, avant les 30 minutes pour finir l'émission. Parce que même la finalisation, la conclusion se trouve dans les 1h30 qui vous sont dévolues. Et donc, c'est un véritable plaisir que d'être avec les uns et les autres. Et nous partageons toujours beaucoup d'aspects. Ce n'est pas seulement que la politique, ce n'est qu'un prétexte pour essayer de nous cultiver et essayer d'apporter, comme je le dis, notre part à la contribution à un monde meilleur. Faisons confiance au président docteur Alassane Ouattara, qui est un homme de méthode, qui est un homme de rigueur et surtout un homme d'une grande vision, qui sait là où il amène la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux pour qu'on puisse prendre nos émotions ou même nos sentiments personnels pour canaliser le pays. Mais il faut aller au-delà de nos personnes pour apporter ce qui est positif pour le pays. Et comme je le disais, ce sera toujours avec plaisir que nous allons vous dire la vérité, mais aussi avec humilité que nous allons vous dire quand nous ne connaissons pas quelque chose, l'éclaireur ne connaît pas tout. Et ce que l'éclaireur ne connaît pas, il vous dira, il ne le connaît pas. Ça aussi, c'est l'humilité. Mais c'est aussi pour vous dire que dans la vie, chacun de nous est condamné à toujours apprendre. Et c'est à cet effet-là aussi que nous apprenons. Madame Raissa, c'est coupé. C'est vous-même qui avez coupé. Et donc, ça veut dire que vous étiez dans une logique et vous avez coupé. Et donc, vous ne pouvez plus vous dire que c'est moi encore qui ai coupé l'émission. Et donc, ça m'a mis mal à l'aise aussi, mais je ne voulais même pas en parler. Et donc, on laisse ça comme ça. Et c'est pourquoi même vous voyez que je n'ai même pas voulu même continuer la logique dans laquelle vous étiez pour appuyer ce que vous dites. Voilà. Et donc, essayons quand même d'être un peu plus organisés. Parce que quand c'est comme ça, une fois qu'on sort en dehors du temps, c'est du temps supplémentaire que je sacrifie et ça mélange beaucoup de choses dans ma vie privée. Et donc, si vous voulez placer vos appels, maintenant, à partir de maintenant, on va le faire une fois qu'on finit de présenter nos émissions dans les 30 minutes, dans les 1 heure du temps du développement, tous ceux qui vont appeler, c'est eux qui seront pris. Et les 30 dernières minutes, tous ceux qui appelleront, eux, ne seront plus pris. C'est comme ça que je vais organiser
pour savoir clairement la ligne de conduite et pouvoir évoluer. Et donc, je vous dis merci. Et demain sera un autre jour, et certainement pour les cas sociaux, et nous allons parler des situations dans le vécu, qui concernent le vécu des uns et des autres, afin aussi d'apporter quelque chose de plus. Et donc, je vous dis merci. Je souhaite une très bonne soirée à chacun et à chacune. Que Dieu nous maintienne dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et bonne nuit à chacun.